Qui pourrait à tes yeux t'incarner au cinéma Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus Comment gères-tu les conflits Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcaster, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. C'est parti, voilà. On a appuyé sur enregistrer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Achille Jourdain. Salut Achille. Salut Jacques. Très content que tu aies accepté mon invitation et que tu te sois déplacé jusqu'à Saint-Denis. N'est-ce pas Non, alors... je plaisante. Avec grand plaisir. Alors, alors, que ton scooter est en panne en plus. En plus, Faut le dire, faut le dire. Tu as bravé le métro pour, pour venir jusqu'ici. <laughs> alors, euh, Achille, t'es euh, comédien, auteur et metteur en scène essentiellement. Absolument. Euh, notamment quand on tape sur ton nom, euh, ton nom dans les... sur Internet euh, quand on tape sur ton nom. Pardon. Quand on tape ton nom, on trouve euh, essentiellement des choses autour d'une pièce que tu as créée qui s'appelle Lettres sans abri. Tout à fait. Euh, que tu as donc créé en 2018, si je dis pas de bêtises C'est ça, en 2018, un spectacle euh, que j'ai créé à la suite de rencontres avec des personnes dans la rue, mm -hmm. et donc, euh, donc euh, qui a la chance de toujours être euh, représenté euh, aujourd'hui euh, okay. et dans les, dans les mois à venir. Et donc, euh, et donc, j'ai commencé ça quand j'avais, en fait, je, je, quittais le lycée, euh, bac en poche. J'étais élève au cours Simon et euh, et je me suis lancé un peu dans l'écriture de ce projet sans avoir rien écrit, okay. sans avoir jamais mis en scène. Alors j'avais joué un petit peu avant. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'était un peu on y va et puis on verra si, okay. si ça va au bout surtout. Très bien. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que le projet est né, en tout cas pour, de mon côté. Et après, il a été motivé aussi par le fait qu'on parlait beaucoup dans les médias, c'est au moment de l'activation du plan Grand Froid, mm -hmm. donc qui vise à, à mettre à l'abri les personnes dans le besoin. Et on parle de ces personnes dans le besoin comme des invisibles, et c'est là que moi ça fait un peu tilt dans ma tête, et je me dis bah les personnes que je croise quotidiennement euh, oui. sont loin d'être invisibles, et, euh, et donc ça commence un peu comme un défi personnel de me dire okay. bah, on va aller euh, discuter, etc., prendre du temps et en passer. Et, euh, et en fait, j'avais pas du tout l'idée d'écrire quoi que ce soit, encore moins de jouer. Euh... Mais c'est vraiment toutes ces, toutes ces histoires, ces parcours, etc. Je me suis dit, bah, c'est dommage, il faudrait peut-être en faire quelque okay. chose euh, sans avoir la prétention que ça allait être, euh, ça allait révolutionner. Euh, ce que ça n'a d'ailleurs absolument toujours pas fait. J'aimerais <laughs> bien que les choses avancent, mais je, je, je crains que je, je n'ai pas ce pouvoir. Et, euh, et voilà, je ne savais pas comment écrire un livre, je ne savais pas comment faire un documentaire. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que ce que j'arrive à faire à peu près, c'est ça. donc euh, zen, on On ouais, euh, Ok. <laughs> Très bien, c'est parfait, j'ai plus à poser de questions. Euh, j'ai euh, <laughs> posé la question du processus. Non, mais écoute, euh, pour le coup, tu t as bien détaillé ton, le, le processus de, de création. Euh, et alors du coup, comment tu as eu envie de venir au théâtre J'ai eu envie de venir au théâtre euh, de, de manière... Euh, J'y suis allé euh, plus jeune. Euh, mais pas énormément j'ai pas j'ai pas j'ai pas passé ma vie euh, mmh. sur sur les fauteuils d'un théâtre mais euh, mais il y a eu quelques pièces comme ça qui ont été marquantes quelques films aussi qui mmh. avaient vraiment une approche euh, une approche euh, je dirais théâtrale et euh, et aussi le jeu. Euh, moi, depuis tout petit, je, 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 je suis un peu un grand gamin. Okay. J'adore jouer. Et, euh, et jusqu'au moment où j'ai commencé à faire des tournages euh, plus, plus jeunes, et où en fait, euh, je me disais mais c'est pas un métier, c'est pas possible d'en vivre, et, euh, et voilà. Et, euh, et j'ai beaucoup été soutenu aussi par mes professeurs au lycée qui, pour mmh. le coup, m'ont vraiment dit bah, T'as envie de faire ça Il y a des, des cours euh, de, dramatiques qui existent. Bah, remplis pas APB et fonce. Okay. Et, euh, <laughs> et donc, euh, je, je caricature, ça n'a pas passé exactement comme ça. Mais en tout cas, j'ai euh, eu aussi la chance, euh, aussi bien d'un point de vue euh, scolaire que euh, familial, qu'on me dise mmh. bah, Vas-y, si okay. c'est ce, ce que tu as, si as envie de fais faire, fais-le. Euh... Et, euh, et je, je, je suis très heureux d'avoir pu. Euh, avoir cette chance parce que je crois que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde de mmh. pouvoir aller au bout de son projet surtout quand c'est des projets qui ne sont pas forcément euh, évidents à mener oui. ou en tout cas des, des métiers qui peuvent s'avérer être assez euh, précaires et, et intermittents dirons-nous Alors bon c ce, que, ce qui est bien c'est que du coup là j'ai plein de questions qui sont venues parce que alors, pour la petite anecdote tu ouais. parlais de tes profs de lycée Oui tu es un ancien élève de ma mère. Ah bon <laughs> oui, C'est bon. comme ça qu'on qu s'est euh, qu rencontrés. Ma mère faisait partie des profs qui te disaient ça Oui et, euh, et euh, c'était très intéressant euh, parce que donc moi j'ai fait l'option euh, histoire de l'art okay, euh, oui. euh, au lycée et c'est dans ce cadre là que j'avais des cours avec euh, avec ta mère et, euh, et qui euh, voilà sur euh, je, je parlais du champ des possibles et, euh, et il était vaste euh, oui. avec euh, avec euh, ta, ta mère et, euh, et euh, avec euh, avec d'autres mais c'est vrai que quand on est dans cette énergie là et puis justement l'option histoire de l'art euh, donc je crois que peu de lycées finalement le, la propose Alors, mais il, ouais c'est l'option pour le bac c'est ça ouais c'est l'option pour une, le bac si je dis peut-être une bêtise parce que je me souviens plus très bien de ce que ma mère m'avait dit mais je crois que c'est le seul de l'académie de Créteil qui, il, ça c'est sûr mais je ne sais même pas au, au niveau, niveau région parisien euh, ouais. ce que ce que ça donne et en fait c'est vraiment une chance parce que bah on va au musée on est parti à Vienne pendant cinq jours c'était oui. trop bien euh, on, on on voit plein de choses on on s'attarde aussi sur des choses sur lesquelles on, je ne me serais pas attardé euh, voilà je me souviens qu'on a fait trois mois sur michel-ange euh, c'est pas forcément du temps que j'aurais pris euh, voilà en, mais, euh, mais j'ai appris énormément de choses euh, la poésie de michel-ange plein, plein de plein de sujets absolument passionnants et c'est vrai que cette option là permet aussi de se dire bah ouais c'est possible d'être ouais. euh, sculpteur de dire je finis pas ma sculpture et euh, en même temps je suis poète et, et peintre et euh, voilà et de d'être vraiment dans tout ce, ce bouillonnement artistique c'était okay. très enrichissant cette option très bien et alors du coup tu parlais de, de pièces et de films qui t'avaient un peu marqué et qui t'avaient un peu poussé dans cette voie il mmh. euh, y a quels, enfin, lesquels sont ils euh... en fait je pense que il y a, y a hmm il y a non seulement les, les pièces en particulier mais euh, il y a eu aussi le il y a eu aussi le, le côté euh, comment dire le alors la sacralisation en fait de d'être spectateur mmh. euh, il m'est arrivé de voir d'aller voir des one man shows qui, qui étaient plutôt euh, plutôt mauvais dirons-nous euh, où tu rigoles pas beaucoup mais par contre le fait d'être dans une salle de spectacle, je trouve que c'est déjà quelque chose de très marquant. Ouais. C'est pas, enfin pour moi, c'est ce que je, je dis souvent, euh, c'est pas quelque chose d'anodin finalement mm -hmm. de se retrouver pendant une heure et demie assis entre deux personnes qu'on connaît pas à écouter quelqu'un dont finalement l'histoire et on y croit ou on n'y croit pas. Et, et j'ai beaucoup été marqué par cet acte là. Okay. Euh, J'allais dire acte de présence ouais. rien que rien que dans une salle. Après moi j'ai plutôt une, une, une appréciation des spectacles qui sont plutôt dramatiques mmh. que tout ce qui est dans le comique même si ça m'arrive d'aller en voir et, euh, et aussi bah voilà quelques passages euh, quelques passages dans les grands théâtres mmh. euh, dans tout ce qui est théâtre subventionné mais aussi euh, à l'opéra qui sont voilà qui sont toujours des moments que je, je trouve assez euh, assez intéressant aussi bien sur le contenu, quel que soit, quel que soit le, le texte, mais aussi sur toute la machinerie qu'il y a mmh. derrière. Il euh, se passe aussi plein de choses ouais. dans un théâtre de 50 places. On n'a pas besoin d'aller à l'Olympia pour apprécier, euh, apprécier un moment. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment, vraiment précieux. OK. Mais du coup, les pièces, les films en question... Les... Alors, euh, les... Pardon, oui, non, j'ai pas... En fait, j'ai pas du tout répondu à ta question. Non, mais c'était très intéressant, et c'est vrai que le, cet aspect un peu sacralisé, sacralisé du spectateur est vachement intéressant euh, sur le rapport au, au, rapport au théâtre. Euh, je dirais que... Alors, moi, je... je, je dans les films, euh, je regarde essentiellement des films français, mmh. parce qu'il euh, y a forcément la part du jeu que, que je trouve int assez intéressante. J'ai beaucoup aimé euh, un film qui s'appelle Elle s'en va, avec euh, Catherine Deneuve, Claude Jansac et Camille, euh, où c'est l'histoire complètement dingue de Catherine Deneuve qui quitte euh, un petit peu sa vie, elle laisse sa fille, euh, son, son petit-fils et sa mère, qui est jouée par Claude Jansac, qui est, qui est divine. Et, euh, et ça, ça a été vraiment un film hyper intéressant euh, qui m'a beaucoup inspiré sur les projets que j'ai écrits derrière. Alors, pas du tout dans, dans, en, le, en le plagiant ou en faisant quelque chose de, de similaire, mais plus sur l'aspect de dire, bah en fait, l'histoire, il n'est pas obligé de se passer tant de choses en mm -hmm. une heure et demie. C'est pas une démonstration de force, ouais. c'est aussi de pouvoir dire, bah c'est un fil, et, euh, et ce film est, est vraiment un fil qu'on qu déroule tout au long de l'histoire. Pour arriver à la fin, il euh, y a une scène absolument dingue où, où Catherine Deneuve euh, cherche à fumer et, euh, et elle va chez un paysan qui a les, qui a les doigts complètement euh, abîmés par le travail de la terre, etc. Et il dit bah, Je vais vous rouler une cigarette. Et pendant 10 minutes, il roule une cigarette et après, il lèche, il passe le, le coup de langue sur, euh, sur la feuille. Et tu as Catherine Deneuve euh, en bourgeoise qui est complètement outrée par, euh, par ce, qui, ce qui se passe, mais qui fume cette cigarette. Et, et ça, ça a été vraiment un film, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré sur le. Euh, sur euh, justement ce... Euh, la question du temps mmh. euh, dans, dans ce qu'on fait. Euh, C'est vrai que sur la peinture, il y, y, y a le temps qui est pris pour, euh, pour, pris pour produire l'œuvre. Ouais. Euh, Mais là, nous, on, au théâtre comme au cinéma, on a ce rapport au temps euh, pour le spectateur. Et j'ai trouvé que ce film était... Enfin, euh, je, je le trouve toujours et je le regarde assez régulièrement okay. euh, euh, justement sur, euh, sur, cette, euh, sur cette longueur. Et, euh, et plus récemment, là, j'en ai vu deux. Euh, euh, j'ai vu le dernier jour du... Jeune de Simon Carian, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, qui est un spectacle justement sur le temps. Je, je crois qu'il dure trois heures, mais y a, il se passe dix mille choses et j'ai eu de la chance de de le, de le voir en tout petit comité pendant le mm -hmm. Covid parce qu'il y avait une, une captation et il y avait le droit d'avoir que quelques personnes dans oui. la salle. Donc, ça, et... c'est une, une pièce de théâtre. Ouais, Pierre ça, c'est une, okay. une pièce de théâtre et, euh, et que j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Euh, et j'en ai vu une autre. Euh, à la cartoucherie mais c'est la honte parce que j'ai oublié <laughs> le nom euh, j'ai complètement oublié le nom écoute tu me l'as si, si tu le souhaites tu me le renverras et je le mettrai dans la, dans la description <laughs> euh, sur, sur youtube et alors, euh, donc du coup aujourd'hui euh, t'as quitté le cours Simon depuis 2020 on en parlait euh, on en parlait avant de commencer euh, tu tournes encore avec euh, Lettres sans-abri Absolument. Et donc, tu es en train de développer d'autres. Pro... Enfin, sur quoi tu travailles euh, à côté de ça Enfin, est-ce que c'est vraiment l'être sans-abri qui te prend l'intégralité de ton temps ou est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu, uh, tu travailles en ce moment et qu'il y a d'autres projets qui. Uh, non, c'est pas, pas un projet qui me prend euh, énorme. Enfin, ça, ça me prend du temps, mais en fait, c'est un projet qui est monté, qui mm -hmm. est monté déjà depuis quatre ans. Et euh, Lettres sans abri, on ne fait plus de répétitions. Ok. Euh, on, voilà, c'est vraiment un projet qui tourne. Donc, on a des dates. Nous, on travaille avec, euh, dans le cadre de saisons culturelles, avec mmh. des mairies, etc. Donc, voilà, on sait qu'on a, a encore des dates jusqu'à 2024. Ok. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est quelque chose qui tourne. Après, il y a toute la partie aussi où je prends part sur euh, l'administratif et aussi la, la venue du spectacle, parce mmh. que ça, ça prend, ça prend un peu de, un peu de temps et d'énergie. Et euh, et non, donc euh, ça me laisse, ça me laisse le temps de travailler sur d'autres projets. Donc il y a les projets que je mets en scène par le biais aussi de la compagnie euh, qui est la mienne. Ok. Et il y a aussi les projets sur lesquels je suis simplement euh, comédien mm -hmm. et, euh, et avec euh, les d'autres compagnies avec euh, lesquelles je bosse. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un peu ce. ce cet emploi du temps euh, à travers euh, plein de rencontres et euh, plein de projets différents où on passe des fois de, du coq à l'âne sur les sujets et sur les projets. Ok, okay donc parce que du coup, tu as, euh, as une compagnie, ça je le je l'ignorais, ce qui montrait à quel point je fais les recherches avant de lancer un enregistrement. <laughs> euh, bah du coup, est-ce que tu veux nous en parler enfin, Depuis combien de temps elle existe Avec qui tu l'as créée euh, la Est-ce que vous avez créé ensemble La compagnie, euh, elle n'a pas, pas vocation à être... Euh, C'est pas une troupe. Ok. Euh, il s'avère que je travaille très régulièrement avec les mêmes personnes parce que ce sont des personnes superbes, mmh. mais il euh, n'y a pas du tout d'effet de, de troupe et il euh, n'y a surtout aucun aucun besoin de rendement. Okay. On s'est jamais fixé de dire on fait un spectacle, deux spectacles, dix spectacles par an. Donc euh, donc euh, c'est vraiment projet après projet. Euh... Le, moi, l'envie le, que j'avais, donc j'avais déjà créé le spectacle être mmh. sans abri avant de créer la compagnie. Okay. Et l'envie, c'était de réussir, ou en tout cas de se donner un peu comme euh, ligne directrice artistique, je sais pas, euh, de, de parler de sujets qui sont très actuels. Par exemple, okay. quand on parle de la question des sans abris euh, j'ai aussi monté un spectacle autour d'Hélène Keller, mmh. qui est une militante sourde, aveugle et muette. Oui. Et donc voilà, ça, ça pose toutes les questions sur, le, sur euh, la question du handicap. Et, euh, euh, c'était un projet euh, très gourmand techniquement puisqu'on cherchait aussi à mettre le spectateur en position euh, de, de, bah, de cécité, okay. euh, de sourdité, etc. Donc c'était un, un projet, euh, un projet euh, assez long. Mais aussi, euh, on a fait un, spect enfin, un spectacle, un podcast autour d'une histoire d'une euh, femme euh, qui cherche à adopter. Okay. Et donc euh, toute cette traversée euh, de, 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 de cette femme pour euh, euh, pour avoir un enfant et les aléas et le poids administratif et, euh, et toutes ces choses-là. Et, euh, et donc voilà, c'est d'essayer de, de partir d'un sujet euh, très actuel et d'en de, et de, 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 faire un spectacle. Ça peut être de l'écriture pour les projets que j'ai cités. Ouais. Là, je travaille sur euh, L'enfance d'un chef, qui est euh, un roman de Sartre. Et mmh. que j'aimerais beaucoup euh, monter euh, justement sur toute la question de, de l'extrême droite, okay, euh, ouais. de, de ce jeune, jeune gamin euh, qui est un peu perdu et qui pense qu'en ne servant pas la main à un juif, il va devenir quelqu'un. Et donc voilà, et, euh, et partir, de, partir de ce roman que je trouve assez intéressant pour euh, raconter un peu la bêtise, enfin les bêtises qu'on peut entendre et, euh, et la, la puissance qui est donnée à ce genre de, okay. de partie. Très bien. Alors, du coup, tu as dit, on n'est pas une troupe. Euh, pour les profanes et les néophytes du monde du théâtre, comment tu définirais la différence entre une compagnie et une troupe Je pense que je vais me faire euh, insulter après par les. <laughs> non, je plaisante. Sens... Non, mais. Je modèlerai euh... les commentaires. Merci. <laughs> euh, non, pour moi, il n'y a, euh, a pas de mieux ou de moins bien. Ah oui, non, là. Euh, la, la, euh... Euh, vraiment, ce que je te demandais, c'était la... La... une différence euh, factuelle, quoi, de... bon, selon toi euh... Moi, l'expérience que que j'ai euh, de des troupes, c'est qu'il y a quelque chose d'assez exclusif. Ok. Euh, on monte des projets ensemble, mais on évite d'aller travailler avec une autre compagnie. D'accord. Après, toutes les troupes fonctionnent aussi différemment. Il euh, y a aussi des fois un côté, euh, soit il y a toujours le même metteur en scène mm -hmm. euh, ou metteuse en scène, et du coup, pareil, il y a un côté euh, exclusif. Ou alors, ce sont des mises en scène collectives. Ou okay. euh, ce qui est, ce qui est possible aussi de faire et ce qui se fait de plus en plus et le côté compagnie il y a plus un côté euh, alors je, je l'image sera peut-être pas la meilleure mais pour, pour parler au plus grand nombre je pense que la compagnie théâtre est plus ce qu'on appelle euh, au cinéma une boîte de production c'est-à-dire qu'elle va, elle va euh, embaucher le comédien, le metteur en scène, l'auteur, okay. etc., le musicien, le technicien, qu'importe. Et, euh, et c'est vraiment une structure euh, juridique aussi, une okay, compagnie. Oui. Euh, avec une licence d'entrepreneur du spectacle, on ne on, on monte pas une compagnie comme ça et on, surtout on ne fait pas un spectacle euh, sans licence d'entrepreneur du spectacle. Et donc la troupe peut être un peu plus, euh, un peu plus informelle, je dirais, et en tout cas. Pour moi, la compagnie a ce côté boîte de production euh, avec un, un bureau et aussi euh, parfois un peu pignon sur rue et, euh, et travaille avec, euh, avec différents, différentes personnes. Euh, mais typiquement, moi, sur plein de spectacles, on retrouve les mêmes têtes que dans okay, le précédent. Et, euh, et donc, j'ai aussi ce, ce côté troupe, mais ce n'est pas exclusif. Ouais, et tous les comédiens, comédiennes, techniciens travaillent avec, euh, avec plein d'autres personnes et, et tant mieux. Ok, très bien, très clair. Euh, bah, parfait. Alors écoute, je sais pas si tu as des choses que tu veux rajouter donc, sur ton euh, activité autour du théâtre ou sur autre chose. Euh, avant... Non, quand est-ce qu'on passe à la boîte Ah, <laughs> et bien bah, ça y est, on y, on y vient. On mélange un peu. Et du coup. Ah, bah, parfait, c'est une de mes préférées. Mon Dieu. Euh, quel livre aimerais-tu avoir écrit quel livre aimerais-tu avoir écrit C'est difficile. Ça peut être une pièce de théâtre, évidemment, mais... C'est difficile. Euh... J'ai Je... commencé tardivement à lire. Mmh. Euh, donc euh, j'ai j'ai enfin tardivement disons que j'étais pas un lecteur euh, vraiment euh, assidu. Okay. Je pouvais lire pendant trois mois 10 euh, livres et m'arrêter pendant un an. Ok. J'avais pas du tout. Euh... Mais aujourd'hui je j'ai presque ce besoin un peu de, de, de me retrouver autour d'un livre. Mais alors, en choisir un que j'aurais aimé écrire, bah, un, un paquet. Euh, certainement, euh, j'ai envie de dire l'enfance d'un chef parce que je le lis et relis en ce moment pour, euh, en vue du projet et faire les coupes. Euh, et c'est vrai que en faire un projet, c'est un peu le réécrire euh, d'une certaine manière. C'est un peu le réécrire, surtout que, en l'occurrence, euh, on a, on a commencé à timer le spectacle et ça ferait trois heures et demie. Donc, il faut de toute façon faire, euh, faire quelques coupes avant de, avant de l'amener sur un plateau. Euh, après, je, je dirais, euh, je dirais que j'aurais plutôt écrit, euh, un grand classique. On a monté avec la compagnie justement euh, Poil de Carottes. Okay. Et je trouve... Euh, alors, euh, on, a, on a souvent une image assez biaisée de ce, de ce, de ce recueil de nouvelles finalement. Euh, mais en fait, c'est un texte qui est hyper profond. Et euh... le, le nom me dit quelque chose, enfin je sais que j'ai entendu le nom, je sais que je l'ai peut-être même lu ouais. quand j'étais enfant, mais je sais plus du tout de quoi ça parle. Bah, En fait, c'est l'histoire de ce petit garçon euh, qui s'appelle François Lepic, mais que tout le monde appelle poil de carotte, et euh, qui vit entre un père indifférent et une mère complètement ingrate qui préfère son frère et sa sœur. Okay. Et lui, euh, lui, son gros problème aux yeux de sa mère, c'est euh, d'avoir les cheveux roux. Okay. Et en fait, ça part, ça part euh, bah, typiquement, moi c'était un sujet qui m'intéressait euh, sur la violence au sein même des foyers euh, et les distinctions entre les différents membres de la fratrie. Et en fait, c'est un texte qui est hyper intéressant parce que du coup, euh, quand, on, quand on creuse un petit peu, en fait c'est l'histoire de Jules Renard, donc son auteur. Mais c'est aussi euh, un roman qu'il avait écrit euh, précédemment sous le titre euh, Les Cloportes où on retrouve les mêmes traits, les mêmes personnages, et en fait on se rend compte que ce roman l'a suivi. Toute sa vie, euh, il y a eu des suicides dans sa famille à la sortie du livre. Euh, ah ouais. il, a, il a, même, il y a, il a un moment où on évoque l'inceste. Alors c'est de manière très, très euh, édulcorée, mais en fait on comprend que euh, il avait son parrain qui était, euh, qui était incestueux. Euh, donc voilà. Donc en fait c'est un livre on lit à l'école. Mmh. Euh, nous, on avait fait des représentations euh, pour des scolaires, mais en fait, qui est vachement, vachement intéressant, et je trouve que c'est un livre qui a vraiment traversé, euh, traversé les siècles et qui a réussi à garder ce, ce côté euh, très, très actuel. Okay. Après, euh, j'aurais je... aimé en écrire tellement d'autres que <laughs> si je devais en choisir un, je dirais celui-là. Ok, très bien. Mais alors du coup, parce que moi, j'aime bien reposer cette question après. Est-ce que t'es sûr que c'est celui que tu aurais aimé écrire Parce que si c'est toi qui l'avais écrit, tu aurais pas pris autant de plaisir à le lire. C'est sûr, c'est sûr. Ou alors, il faut, euh, on, il faut réussir à écrire euh, quelque chose dont t'es je pense très détaché. Je suis sûr qu'il y a des auteurs qui arrivent à écrire des choses euh, pour avoir un certain rendu et pour avoir, euh, pour correspondre aussi. Euh, voilà, l'utilisation des écrivains fantômes date ouais. depuis toujours et c'est parce qu'il y a une commande de la maison d'édition. Donc je pense qu'il faut soit avoir un sacré détachement et à ce moment-là, tu, tu, tu peux être, tu peux être, je sais pas, ça doit être assez, assez troublant comme, comme sensation. De, de, parce qu'un livre, c'est finalement quelque chose, euh, même si c'est complètement fantasmé, il y a, y a quand même une part de soi. C'est quand même euh, ah bah oui. passer, passer un nombre d'heures, de jours, voire d'années euh, considérables. Et, euh, et donc, je ne sais pas, oui, si j'avais écrit Paul de Carotte, je ne sais pas si je l'aurais tant aimé, en fait. <laughs> j'aurais pas dû dire ça. Non, <laughs> c'était pas l'objectif recherché. Surtout si en plus c'est autobiographique et que l'autobiographie est pas super gay. Oui, bon, de toute façon, moi j'aurais pas pu l'écrire parce que j'ai eu la chance de ne pas vivre tout ce que Jules Renard a enduré. Tant, tant mieux. Euh, quel est l'objet le plus ancien que tu possèdes L'objet le plus ancien que je possède, que j'ai toujours possédé, ou un vieil objet Ça peut être les deux. Être tu interprètes deux. la question comme tu veux. Comme tu veux. Et eh bien justement, j'ai un, un vieux livre de poils de carotte okay. <laughs> qui appartenait à mon grand-père et, euh, et qui est décédé. Et ma grand-mère me l'a donné euh, après son décès. Et donc c'est un vieil ouvrage de, de poils de carotte complètement euh, complètement abîmé. Et j'ai pas la date en tête, mais je pense pas que ce soit une édition euh, très très récente. Okay. Je suis même sûr. <laughs> D'accord. Et donc, celui que tu as depuis le plus longtemps euh... Euh, Celui que j'ai le... depuis le plus longtemps, bah, je pense que ça doit être les doudous que j'avais euh, ouais. quand j'étais petit et que, que j'ai toujours. Que tu as gardé quelque part. Euh... Ouais, qui doivent, être, euh, qui doivent être dans mon armoire entre mes chaussettes et mes caleçons. <laughs> Très bien. <laughs> euh... Ah, es-tu sensible Oui. Oui, oui. Euh... Et heureusement. Parce que je pense que sinon on doit se faire chier à mourir, tout, tout doit se ressembler. Après, il euh, ne faut, faut pas tomber, je pense, dans l'hypersensibilité et être... Euh, parce qu'on en, en devient un fou. On en devient malade, ouais. Mais, euh, mais je pense que oui, oui, je le suis. Et, euh, et euh, je le suis même de plus en plus, en fait. Je, okay. pense. je pense que... Parce que, bah, le... j'allais dire, le temps passe, ça fait, ça fait phrase... Euh d'une autre époque, mais euh, mais euh, parce qu'on a de on a de l'expérience ou en tout cas on a de, on gagne en vécu de, ouais. de jour en jour et, euh, et oui et puis il y a aussi il euh, aussi des raisons de l'être euh, souvent okay, il oui. faut pas que ce soit oui, oui. trop souvent mais euh, et puis pour le coup c'est très intéressant c'est euh, moi je trouve que quand on est metteur en scène ou comédien, oui, ce que on, demandé, euh... on travaille avec l'humain. Donc il faut, il faut avoir une sensibilité, il faut, euh, il faut aussi être un peu, euh, un peu psychologue. Ça rejoint ce que j'avais fait en, en montant le spectacle Être sans-abri, c'est que j'avais passé beaucoup de temps avec les personnes en situation de rue. Mais elles ont accepté aussi de passer du temps avec oui. moi. Et euh, certes, elles se sont livrées, mais je me suis livré aussi. Et, Bien euh, sûr. Ouais. Et euh, toute cette osmose euh, de, de nos rendez-vous était, était hyper riche. Et c'est vrai quand on se retrouve à diriger quelqu'un sur scène, euh, bah, il faut accepter que des fois c'est pas le bon jour, mm -hmm. euh, que euh, pour arriver à tel ou tel effet, euh, bah, euh, des fois on passe par des, par des souvenirs qui sont pas très rigolos. Et, euh, et ça, pour le coup, ça aide. Enfin, je trouve d'être aussi euh, comédien, euh, ça permet de, de savoir où on va et où on est prêt à aller. Ok. Euh, parce qu'on a, on a aussi euh, des fois un travail. Alors, euh, moi, j'évite de le faire. J'espère que j'espère que j'arrive je, à ne pas le faire. Enfin, je, je crois d'ailleurs. Mais euh, mais on a aussi euh, des fois des projets qui nous demandent énormément euh, d'aller euh, d'aller chercher dans des souvenirs, euh, d'aller chercher dans dans quelque chose de de très intense et puis euh, et puis qu'on n'a pas forcément envie de oui. soulever. Euh, quand j'étais au cours Simon, on nous disait qu'on était un corps avec plein de petits tiroirs et qu'on allait piocher. Il euh, faut aussi être disposé pour mmh. aller piocher, ouais, sûr, ouais. et il euh, ne faut pas qu'on qu nous y force. Et, euh, et donc, je m'efforce de ne forcer personne. Et, euh, et voilà. Et puis de toute façon, je crois que les, les, les artistes sont souvent assez sensibles. Oui, oui, oui je pense que il euh... y, y a beaucoup de clichés sur les artistes, mais <laughs> je ne suis pas sûr que ce soit un cliché. <laughs> Celui-ci celui est peut-être euh, peut assez vrai. Ouais. Euh... Ah, tiens, bah tiens, celle-ci n'est jamais sortie. Ah. En même temps, je me demande si c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui te différencie des autres oh. Qu'est-ce qui me différencie des autres Tu m'étonnes qu'elle soit jamais sortie, elle est trop dure, <laughs> personne ne peut répondre. Je sais pas, c'est impossible à dire parce que. Parce que, je... et c'est ça qui est cool, c'est que dans une société, on est ensemble, et, mmh. euh, et heureusement qu'on que se ressemble un peu tous, et qu'on on... arrive à vivre ensemble comme ça. Donc je pense qu'il n'y a rien. Ouais. rien. Euh, je... Il paraît qu'on a tous un sosie sur Terre, donc déjà peut-être que physiquement je, je, je n'ai aucun, j'ai forcément un double. Et, euh, et en plus, euh, non non, euh, dans le dans le comportement, dans l'intellectuel, dans la manière de parler, dans les gestes, etc. Je pense qu'il y a il y a forcément quelqu'un d'assez semblable à nous. Et, euh, et heureusement parce oui. que parce que c'est ce qui permet d'avancer tous ensemble. Ok ouais. Bon je suis ouais, d'accord. Je pense que je, je l'aurais formulé très différemment, mais j'aurais une réponse. Bah Vas-y, très... attends, moi je veux savoir, parce que ça si j'ai fait une très mauvaise réponse. Ah non, non, mais je pense que moi je, je, je répondrai rien et je m'arrêterai là en fait. Je... Mais peut-être dans une dynamique presque dévaluante, euh, de, mm. en mode je suis pas spécial, euh, m'emmerdez pas. Euh, mais, euh, mais oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Bah, ne serait-ce qu'il euh, y a une question qui, pour le coup, est revenue assez souvent qui. Euh, qui Est-ce euh, est « qu'il y a un point commun à tous tes amis? Et, euh, et pour le coup, la réponse de la plupart de mes invités c'est euh, bah ouais, il y en a toujours un en fait. Il y a toujours quelque chose mm. qui est commun à tous mes amis et qui du coup en fait doit se retrouver chez moi. Et donc à partir de là, bah euh, et donc je, je trouve qu'il y, y a forcément des autres qui me ressemblent énormément en fait, et, et dont je me différencie finalement euh, pas tellement si ce n'est bah ouais, euh, parfois physiquement, parfois mais. Que, mm -hmm. euh, Effectivement, on n'est jamais, une... jamais totalement une pièce unique on n'est jamais totalement une copie euh, de, de quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, je, je, te, je, te, je te rejoins complètement. Euh, alors, bah écoute, ça peut-être euh, être le film dont tu parlais tout à l'heure. Y a-t-il un film que tu as tellement vu que tu cites les dialogues au quotidien Non. Euh, en tout cas, c'est pas Elle s'en va, mais euh, <laughs> je, je pense que ce serait un, un film nettement moins, nettement moins profond. profond. Euh, je pense que je dois connaître une bonne partie du film Vilaine avec euh, Marie Louberry. <laughs> ok. Et je dois connaître une autre bonne partie, voire l'intégralité de Nos Jours Heureux. Voilà, euh, <laughs> avec euh, bah, Marie-Lou Berry dedans, Omar Sy, Jean-Paul Roux. Ok. Euh, je... vilaine je vois à peu près ce que c'est. C'est Marie-Lou qui joue globalement une donc tout le monde profite plus ou moins ouais, parce qu'elle sait ça. pas dire non ça. et du jour au, moment, au... Ouais, elle... du jour au lendemain elle décide ouais. de, de, de dire aux autres d'aller se faire voir et absolument et de manière et elle fait un excès de zèle dans ce sens quoi complètement ça, complètement lequel... on est bien on est bien là dedans et nos jours heureux du coup c'est nos jours heureux c'est euh... ça me dit quelque chose mais c'est pas, le... pas le plus grand film mais euh, c'est euh, une colonie de vacances ah, et on oui suit toute la bande euh, oui. d'animateurs les histoires de cul les euh, oui, 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 oui. et euh, et le parallèle avec, euh, avec euh, les enfants de la colonie. Oui oui, je me souviens de je, je me souviens de ça effectivement, euh, ça avait, euh c'était un film très important dans la, au collège pour, pour mes bah, potes. De ouf. Moi, je ne suis jamais parti en colo. Donc bah moi, euh, une fois. Euh... Donc, tu vois, il y avait un peu cette ouais. fascination en plus de ça se passe vraiment <laughs> comme ça, une colo. Alors que peut-être que dans les faits, pas du tout. En tout cas, moi, celle où j'étais allé, il ne se passait pas de trucs ouais, euh, si de... dingue. Mais euh, oui, oui, non c est, c est, je pense que je, je connais une bonne partie de, de ces deux films. Ouais, je crois je, crois que je me que Il y a un Intello qui est aussi un dieu de la guitare, oh. un truc dans le genre. Il y a un cousin belge. Euh... Ouais, ouais, non, il y, y a du beau monde. Il y a la surveillante qui est ultra timide jusqu'au moment où elle euh, décide de se réveiller. Absolument, euh, jouée par euh, Joséphine Demo, ouais. Ok. Oui ouais, bah je vois très bien. Aujourd hui, aujourd hui. Oui, mais tu, tu, tu sembles tu semblais être presque, je dirais pas honteux, mais... Euh, disons, non. Euh, pas totalement. Assur... Mais j'ai l'impression que les films dont on connaît les répliques par cœur, en général, c'est rarement des très grands films ou des films très profonds. Euh... Non, alors après je, je je vais pas cracher dans la soupe parce que c'est des films pour lesquels j'ai enfin euh, ça passe à la télé je le regarderai sans ouais. souci c'est pas que ce sont mais euh, disons que euh, disons que euh, quand euh, quand euh, on cite les répliques de ces films effectivement c'est pas c'est pas la réplique qui a mis des années à s'écrire après nos jours heureux je trouve que c'est un film c'est un film intéressant bah, c'est par les réalisateurs derrière de d'intouchables okay, oui. donc euh, donc c'est un film qui est intéressant parce que justement euh, un peu dans, dans toute cette dans toute cette distribution il se passe il se passe il se passe, il se passe quand même des choses et, euh, et non moi j'ai j'ai pas trop de honte sur les films. Après, c'est souvent, on a honte des films euh, qui sont de, des comédies, mais je oui. pense qu'il n'y a, a pas forcément de quoi, parce qu'il y, y a des comédies qui sont, qui sont hyper bien. Euh, oui. J'ai vu euh, j'ai vu les Invisibles de Louis-Julien Petit qui est considéré comme une comédie mais je, je trouve ce film euh, c'est un c'est un film euh, de c'est c'est un dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale un hein, okay. euh, auprès de, de femmes à la rue mm -hmm. et donc on suit pareil le, un petit peu le quotidien de ces, ces femmes en situation de rue et aussi les les personnes qui les encadrent au sein du, du centre et l'avenir du centre et voilà c'est une comédie mais il y il a, y a un vrai sujet et je pense que il ne faut, il faut, faut pas non plus caricaturer la comédie. Oui, comme non, si c'était simplement... Euh... Mais bon, voilà, je, je, je connais, je connais Vilaine par cœur. Très bien. Alors après, <laughs> tu, en général, mais encore une fois, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur la comédie, mais c'est vrai que sur Y a-t-il un film que tu as, que tu as tellement vu, les, les réponses qui viennent le plus souvent, ça va être au SS-117 ouais, euh, la, la Cité de la Peur, beaucoup. Oui. énormément, <laughs> énormément. Tu vois, c'est rarement des films de, de Godard, par exemple. Oui. Je pense à lui, vu qu'on enregistre le jour où on a appris son, son décès, mais, euh, mais ok, très bien. Donc, Vilaine et Nos Jours Heureux. Mais là, bah, je, pas... je ne savais pas qu'il était décédé. Ah ouais parce que bon. j ai, j ai coupé, euh, Désolé, les je viens de te de Donc, manière voilà, je, ultra je, brutale. J'espère que tu n'es pas trop un aficionado. Euh... Bah, non, j'aime beaucoup, mais j'ai je, je, voilà, coupé un peu euh, tout, toutes les histoires d'alerte de, de, sur mon téléphone, euh, des infos. Euh, voilà, j'ai découvert il y a. Donc, euh, je ne sais même pas la date du jour, mais. J'ai découvert le lendemain que la reine était oui. décédée. Donc voilà, donc j'ai plein d'infos <laughs> qui me viennent comme ça, mais après, un peu euh... ce qui est pas plus mal et ce qui oui, permet de ce qui est pas mal. Hein. Oula, peut-être que vous, les auditeurs et auditrices entendent ce camion poubelle qui vient de passer dans ma rue. <laughs> euh, si tu pouvais revivre un jour en particulier, lequel serait-ce Bah, je pense que aujourd'hui, euh, je pense la, la naissance. En, okay. étant, en, en étant plus grand. Euh, pour, euh, voilà Si j'avais la capacité de, de revivre ce jour en ayant 23 ans, je choisirais le, le jour de la naissance. Euh, parce que c'est parce que là que ça commence. Donc j'ai ouais. pas envie de voir euh, les premières minutes. Ok. Enfin euh, voilà, parce que c'est le. le... Voir si c'est douloureux. Bah non je, je, non pas forcément pas forcément sous, sous cet angle là mais euh, mais plus euh, parce que c'est le, le premier jour euh, après euh, un jour en particulier je je sais pas parce que parce que c'est forcément un jour enfin en tout cas moi je le vois comme ça c'est un jour qu'on a apprécié où oui s'est passé quelque chose de, de plutôt de plutôt joyeux et en fait, il y a un paquet de jours où il s'est passé un truc plutôt joyeux. Donc, euh, donc euh, un seul, ce serait, ce serait plutôt compliqué de, okay. de le déterminer. Oui, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt des... Je pense que oui, tu as plutôt envie de revivre des trucs joyeux. Okay. Surtout que oui. la question n'indique pas si tu peux changer le cours de cette journée ou pas. Donc, euh, ah, en on plus. Part, on part du principe que c'est des trucs... Là. Mais la naissance, ouais, j'avoue, je n'ai pas cette curiosité. De... Non, mais tu vois, voir, euh, je ne sais pas, c'est le premier jour où Mais pas, pas la naissance euh, quand tu as euh, un jour. La naissance avec mon âge euh, d'aujourd'hui, euh, parce qu'il faut en choisir un aussi, tu vois. Oui, et oui. et c'est. Euh, je ne sais pas, peut-être que, peut que quelqu'un de décédé dirait le jour de sa mort euh, pour euh, se refaire le film, ou wow. j'en sais rien. Euh, je. Oui, peut-être. <laughs> je... je pense que un, ça dépend un, des conditions dans lesquelles tu parles. Voilà, es, un décès, euh, un décès euh, plutôt, plutôt, plutôt calme. Calme et, euh, et à un âge raisonnable. Je vois. Euh, que fais-tu pour t'endormir Eh bien, je regarde euh, des films. Ok. Je regarde des films. En fait, je regarde. Euh, J'écoute. Pas de musique, parce que j'ai l'impression que ça ne me ça met pas du tout à dormir. Euh, J'avais essayé, il y avait un truc assez grotesque sur Netflix où il fallait fermer les yeux, respirer profondément, etc. Je l'ai fait une fois, je, je, je <laughs> me suis dit bon. Euh, donc, euh, donc non, je regarde, des, je regarde des films, je regarde des captations de spectacles, okay. mais euh, ouais, je, je regarde. Et ce qui est très amusant, c'est que je regarde quelle que soit l'heure. Okay. C'est-à-dire que je peux rentrer à 6 heures du matin en ayant euh, bu. Oui. Et, euh, et me dire, bah, je vais quand même commencer un film. Je sais okay. que je n'irai pas au bout, mais euh, c'est un peu un rituel. Ok, et du coup, tu n'as pas... Pas, re... pas cette frustration de ne pas le finir ou cette envie de... de forcer à rester éveillé pour arriver jusqu'au bout ou, euh... Non, parce que, euh, par exemple, là, je regarde beaucoup de documentaires et je sais que, euh, je, sais que je le reprendrai. Ouais, donc okay. euh, et donc, euh, il m'arrive de m'endormir avec euh, mon écran de téléphone, sur d'ordinateur de, de, sur, les, sur les genoux. Okay. Et, euh, et puis, je sais pas par chance, dans le sommeil, j'ai fait pause. Du coup, je reprends là où je suis <laughs> arrêté le lendemain. <laughs> Très bien. Mais. Euh... Mais ouais non c'est après je suis pas sûr que ce soit la meilleure habitude parce que du coup tu, tu crées un peu une une dépendance à regarder un truc avant d'aller dormir ouais. et euh... mais voilà pour l'instant ça semble me convenir j'arrive à m'endormir donc euh... est-ce que tu as des films un peu doudous euh, du coup non non pas du tout je vais avoir euh... je vais avoir euh... j'aime bien j'aime bien euh... un peu par phase m'intéresser okay. euh... Où je vais regarder un film et derrière je vais regarder un documentaire et derrière je vais regarder un spectacle et, et comme ça, ça va, me faire, ça va me faire une semaine de sommeil. Ouais, tu vois. <laughs> mais euh, non, non, j'ai pas de. Pas, je ne re-regarde pas beaucoup les films. Ok, d'accord. Très peu. Et, et, et... Si, si ça m'arrive, c'est parce que je le regarde avec quelqu'un. Ok. Tu vois, euh, euh, voilà, je vais dire, bah, viens, regarde ça, c'est sympa. Mais, euh, mais non, je vais pas avoir ce truc un peu de. Euh, bah pour le coup de ne pas apprendre les dialogues par cœur il oui, bah, euh, ouais. y a plein de gens qui adorent euh, commencer à connaître euh, savoir ce qui va se passer machin moi j'ai pas du tout cet attrait là euh, okay. au contraire et si je dois le revoir je vais essayer de l'espacer d'accord pas le revoir ouais. euh, un an après mais plutôt deux trois ans tu vois. Ah, ok d'accord euh, ça m'arrive oui mais, mais, mais vu que tu t'endors avec des des films peut-être qu'il y a les films qui sont les valeurs sûres pour pour bien s'endormir Qu'est-ce que ça fout là Ça n'a ça rien à faire. Euh... Ah. Quel élève étais-tu à l'école Ah, bah. mince. <laughs> euh... On aurait dû poser la question plutôt à ta mère. Ça aurait été <laughs> <un peu> drôle. <laughs> euh... Je ne sais pas si je vais la voir avant que l'épisode sorte. Je pourrais, je pourrais peut-être envisager d'enregistrer un insert. <laughs> <'enregistrer> un insert. <laughs> non, j'étais un élève. Euh... Ah là là, du coup c'est gênant. <laughs> j'étais un élève. Oui, parce qu'en plus elle écoute tous les épisodes du début à la fin. Hein, bah, elle a bien euh... raison. Elle a bien raison. Non, j'étais pas forcément le meilleur élève euh, parce que euh, parce que j'avais euh, le sentiment que j'allais toujours m'en sortir un peu, euh, ce qui n'était pas toujours très vrai. Euh, après voilà, j'ai eu un j'ai eu un parcours scolaire. Euh, Assez, euh, assez classique où, euh, où j'étais dans l'enseignement dans l'enseignement euh, public j'ai jamais sauté de classe, j'en ai mmh. jamais euh, redoublé euh, j'ai eu mon bac euh, à la fin de ma terminale, mais c'est vrai que j'étais pas forcément le plus assidu je parlais pas mal okay. je parlais pas mal euh, je pouvais être un peu turbulent, mmh. après je pense enfin bon c'est vraiment très gênant s'il y a un insert. Euh... <laughs> mais euh, je ne pense, je pense pas que j'étais dans, dans le manque de respect non plus. Okay. Je pense que j ai, j ai, j ai... voilà, je pouvais être euh, turbulent, mais je, je me fixais quand même, euh, quand même des limites. Mais c'est vrai que j'étais souvent euh, au fond de la classe parce que si j'étais trop devant, je parlais. Et, euh, et voilà. Après, je n'ai pas, pas beaucoup euh, séché. Euh, J'ai un peu séché au début du lycée parce mmh. que... Euh parce que j'avais le sentiment qu'on pouvait sécher et que du coup ouais. il fallait essayer mais, euh, mais sinon non j'étais pas j'étais pas euh, j'étais pas le meilleur mais je je pense pas euh, je pense pas avoir trop empêché les cours enfin j'espère okay. parce que sinon c'est vraiment pas cool oui. mais euh... Ce qui concerne les cours de ma mère, je pense que si tu avais vraiment été trop turbulent au point de lui laisser un mauvais souvenir, elle ne m'aurait pas proposé euh, de t'inviter. Donc... Non, mais j'ai jamais... Par contre, tu vois, j'ai jamais été euh, trop, trop scolaire. J'aurais jamais oui. fait... Euh, voilà, j'ai des amis qui font des, des études assez longues. Euh, ça, moi, c'était vraiment pas pour moi. Mais okay. je le savais, euh, savais d'entrée. Que, tu vois, dès le... Dès le... À partir de la quatrième, j'étais vraiment très mauvais parce qu'on on a commencé à mettre des lettres au milieu de, de chiffres en maths et là je me suis dit waouh. <laughs> donc ça, ça a été vraiment un moment un peu de rupture où je me suis dit ouais c'est tout ça n'est vraiment pas pour moi. Mais je sais pertinemment que je j'aurais pas fait des études okay. trop longues parce que. Euh parce que pas... bon, déjà, je n'avais pas forcément euh, des envies de métier oui. qui s'y prêtaient, et en plus, parce que euh, ce n'était pas fait pour moi de passer trop de temps sur une chaise d'école. Okay. Parce que du coup, le cours Simon, ouais, c'était trois ans. C'était trois ans, ouais. Et il y a, y a des cours, euh, quand même, on va dire, euh, je dirais magistraux, enfin, c'est-à-dire des cours euh, où vous êtes assis et où vous prenez des notes Non, du tout. C'est vraiment, euh, vraiment, on nous donne une scène qu'on travaille pendant le temps qu'il faut la travailler okay. de notre côté. Euh, donc, il y a des salles de répétition euh, au sein du bâtiment. Et après, on passe sur scène et euh, on nous fait les retours et on retravaille. Et okay. on repasse sur scène et ainsi de suite, euh, jusqu'à ce que la scène soit aboutie. Mm -hmm. Et après, il y a un système d'audition euh, fin du mois, fin de l'année. Où on les passe devant un public euh, extérieur, okay. mais euh, où on les passe pas. Mais la scène est terminée, on passe à autre chose, et on a souvent deux, trois, quatre, cinq scènes euh, de travail en même temps. Mais euh, mais j'ai pas usé beaucoup de stylos, à part comme une petite note dans les textes. Mais sinon non, on n'a pas on n'a pas vraiment de cours. Vous n'avez pas de cours d'histoire du thé, ouais, d'histoire du théâtre non. ou de euh... non du tout. Okay. du tout. C'est vraiment c'est vraiment axé sur la pratique. D'accord. Euh, ah, à quelle époque aurais-tu aimé vivre Alors, à quelle époque Bah, je pense un paquet, un paquet d'époque parce qu'il a dû s'en passer des, des choses. Euh, après, je pense que, euh, je pense que finalement. Euh, L'époque la, la, plus, la plus intéressante, en tout cas euh, si je devais en choisir une, c'est une époque assez récente, mmh. euh, mais qui n'est en même temps pas la nôtre. Okay. Euh, je trouve la nôtre assez terrifiante sous plein d'égards. Et, euh, et il y a 100 ans, je pense qu'il y avait des choses qui étaient plus simples, il y en avait d'autres qui étaient nettement plus compliquées. Mais, euh, mais en tout cas sur l'aspect la, sur, euh, d'insouciance, je mmh. pense que c'était euh, quand, quand même quelque chose de différent. Peut-être que quelqu'un de cette époque dirait vraiment qu'il préfère la nôtre. Mais en tout cas, euh, voilà de toute façon, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Euh, oui. et, euh, et donc oui, je pense que c'était une époque où euh, bah, euh, il euh, y avait beaucoup de, beaucoup de possibilités. Et, euh, et en tout cas, c'est l'image que j'en ai et que mmh. je m'en fais. Mais qu'il qu était, euh, était possible de faire plein de choses. Euh, sans avoir nécessairement, bah, typiquement les qualifications, euh, euh, voilà. C'était aussi une époque qui était euh, beaucoup plus injuste et où il s'est passé des choses nettement plus sombres euh, d'un point de vue historique et dans d'autres oui. pays. Bah, mais, euh, 20, euh... mais c'est vrai que, voilà, d'un point de vue euh, confort, je dirais mm -hmm. quelque chose pas trop éloigné de la nôtre, et d'un point de vue, euh, et d'un point de vue, euh, disons euh, intellectuel, je pense que c'était plus intéressant à cette époque même s'il si s'est passé des choses vraiment euh, vraiment terribles ok mais donc ouais l'entre-deux guerres en soi, euh, en fait ouais je pense je pense et est-ce qu'il y aurait un, un endroit en particulier en fait à cette période euh, où tu aurais aimé euh, où tu aurais aimé vivre euh, pas forcément un... alors euh... Euh, je, je pense plus en Europe, mmh. euh, même si, euh, même si, bah, typiquement dans l'entre-deux-guerres, il s'est passé déjà deux guerres en Europe. Mais, euh, mais euh, je, je pense que c'était euh Ouais, c'était le, le bon, je dirais, je dirais même, euh, je dirais même euh, sans doute euh, la France, tu vois, d'avoir euh, euh, vraiment quelque chose qui ne soit pas très éloigné de ce mmh. qu'on qu vit aujourd'hui euh, d'un point de vue euh, technologique, euh, d'un point de vue... Euh, voilà, c'est en fait euh, c'est très matériel ce que, ce que le, choix de, le choix de cette époque et le choix de, de la région ou, ouais. ou du pays. Euh, évidemment, c'est pas sur, sur sous plein d'autres égards, c'est vraiment compliqué. Ouais. Euh, oui, je pense, je pense plutôt l'Europe et, euh, et plutôt la France. Plutôt la France, ouais. Mais alors sur le point de vue matériel, je suis pas sûr qu'à 100 ans, ne serait-ce que l'eau courante, ça existait. Hein. Non, mais euh, de, dans le sens où euh, on, on pouvait déjà se déplacer. Ouais, on pouvait, okay. Voilà, on, on, avait, euh, on avait, quand même, euh, on avait des théâtres. Tu vois, c oui. C'était cool. <laughs> une belle époque de théâtre. Non, mais voilà, ça c'est vrai. C'est pas pour le confort, mais c'est vrai qu'on avait déjà des avancées plus que ne serait-ce que euh, dans en 1850. Oui, effectivement, oui. Je vois ce que, euh, je vois ce que tu veux dire. Alors. Euh... Que penses-tu de la manière dont tu as été élevé bah Alors, moi, je dirais que du bien, mais peut-être que quelqu'un me voyant de l'extérieur dirait oh là là. <laughs> euh, non, non, euh, bah en tout cas, moi, je suis très reconnaissant euh, de, de, de ce que mes parents nous ont. J'ai une sœur plus petite. Euh, je pense qu'on a été euh, éduqués avec des. des voilà. Un une bonne éducation et euh, en, tout cas, euh, en tout cas ils ont fait leur possible pour que ce soit fait du mieux et ça je trouve ça, je trouve ça trop chouette et je leur suis vraiment reconnaissant bah, typiquement euh, de, du soutien qu'ils m'ont apporté euh, professionnellement et évidemment hein, du soutien de manière euh, générale mais, euh, mais c'est une part euh, importante en fait de notre mm -hmm. vie euh, l'éducation ouais, euh, et puis je pense que ça ne s'arrête pas le jour des 18 ans et, euh, et c'est ouais. ça qui est chouette et euh, et puis des valeurs aussi et puis euh, et puis je m'entends très bien avec avec euh, mes parents donc on a on a vraiment une, une grande complicité okay. et, euh, et ça ça c'est cool de, de l'avoir euh, d'avoir eu la chance de la développer je sais que je sais que c'est pas évident pour tout le monde et, euh, et donc non je dirais que je, je suis surtout reconnaissant en fait donc okay. est-ce que parce qu'au final, c'est un truc qui est, qui, est, qui nous suit toute notre vie et euh, on peut en garder aussi bien le meilleur que les stigmates ah et ouais, bien euh, sûr, ouais. et c'est pour ça quand on a la chance évidemment que ça se passe bien, euh, je pense qu'il faut il faut pas oublier et puis pas oublier de leur dire. Ok. Voilà. Très bien. Et toi justement Ah, tu veux vraiment savoir ce que je pense de comment Madame Marmonnier m'a euh, alors j'ai déjà répondu à cette question dans l'épisode avec, euh, avec Linda. Euh... Parce que, en fait, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question dans le sens que je je suis une thérapie, euh, je suis okay. une psy et je suis je suis enfin, vraiment pas obligé de répondre. Hein. Je suis, non, je bah, <laughs> dois répondu. donc. Euh, <laughs> et je suis vraiment dans cette période de déconstruction justement de, okay. de, de mon de, de la façon dont je vois mon éducation. Ouais. Et, euh, et donc c'est vrai que je suis en train de voir tous les traumas que j'ai liés à cette éducation. Donc, euh, je pourrais avoir une réponse assez négative, mais en fait. Si on est réfléchi, tous les parents filent des traumas à leurs enfants. Mmh, C'est impossible d'éduquer ton, ton, ton gosse sans lui filer des traumas. Et du coup, en fait, je pense que j'ai eu une, j'ai une éducation très privilégiée, ouais. euh, et notamment très privilégiée au, sur le point de vue culturel. Ouais. Je me rends compte que à, à 18 ans, puis à 25, puis à 30 ans, bah, j'avais déjà un capital culturel qui était assez, euh, mine de rien, assez élevé en fait, et qui est, et que c'est un vrai atout, hein. c'est une, une vraie force et c'est aussi en fait, un vrai outil de domination. Donc il faut, faut réussir à, à, à bien l'utiliser, en fait, ce, ce, ce capital. Mais j'ai eu, eu la chance d'avoir une, euh, une mère et un père qui, euh, dès notre plus jeune âge, à ma petite sœur et à moi, nous ont fait voir des grands classiques ouais. du cinéma, nous ont emmenés au Louvre. Enfin, pendant une période, je me souviens qu'on allait au Louvre. Une fois par mois, mm. euh, un dimanche par mois, on allait au Louvre. Euh, donc, ils nous ont emmenés au Louvre, ils nous, ont emmenés, euh, ils nous ont emmenés à, donc globalement, tous les musées de la capitale. Euh, ma mère nous a emmenés au théâtre. Je suis souvent allé au théâtre avec des élèves, euh, des, des, des <laughs> élèves à elle. Euh, et puis, ils nous ont euh, fait voyager dans euh, les grandes capitales européennes et, euh, et d'autres grandes villes. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, de ce niveau-là... Bah, c'est vrai que je, je, je suis extrêmement reconnaissant de me dire ben ouais. euh, j'ai eu j'ai eu énormément de chance et puis euh, donc donc oui je pense que c'est une bonne une bonne éducation enfin euh, j'ai eu c'est on est beaucoup il y a beaucoup plus de positif que de négatif mm. et en tout cas je ne parlerai pas du négatif ici donc euh, ouais, ouais. mais euh, mais voilà comment je euh, comment j'ai été éduqué donc ce que je pense de mon éducation c'est que plutôt euh, plutôt bonne je pense pas que je la alors, j'ai pas prévu d'avoir d'enfants, mm -hmm. euh, notamment au vu de l'état de la planète. Enfin, ouais. je, je me dis que c'est un peu, c'est un peu risqué d'avoir des enfants maintenant pour pour leur avenir. Je suis pas persuadé que je reproduirai forcément cette ouais, le... cette éducation pour autant. Ok. Euh, mais je sais, mais j'ai pas forcément d'idée de comment je les éduquerai. Euh, oui, pour autant. Pour autant, euh... Euh, non plus. Donc, euh, ouais. Mais voilà, globalement. Comment éduque madame. En fait, elle fait un peu la même chose avec ses élèves. Quoi. Elle les emmène <laughs> au musée, dans les capitales non, européennes. Ça, c'est vraiment. C'est vraiment une chance de. de... Alors, moi, j'ai le, le, le privilège aussi d'avoir été beaucoup embarqué euh, au musée euh, tout petit. Et, euh, et c'est très marrant parce qu'aujourd'hui. Alors, moi, je, je vais à peu près dans un musée. Euh, je pense euh, je, je fais trois musées par semaine. Okay. Je, je crois que j'ai les cartes d'abonnement dans. Cinq ou six musées. À ah ouais? Enfin, euh, vraiment, je, je fais les expos et les expos en galerie euh, énormément euh, parce que, parce que j'adore ça et je trouve que c'est vraiment une richesse, comme tu le disais. Et, euh, et c'est vrai que je regardais, euh, je regardais justement euh, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour l'accueil des mmh. enfants. Alors, euh, les ados, c'est un petit peu différent, mais sur les enfants, et en fait, on, on voit que énormément d'institutions culturelles se décarcassent pour réussir à faire venir les plus jeunes. Et, euh, et je je pense qu'on a eu sensiblement euh, ouais. le, le, le même apport culturel de ouais. la part de nos parents. Et ça, euh, ça, ça permet d'ouvrir les yeux sur de choses carrément, ouais. et, euh, et typiquement on parlait tout à l'heure de l'histoire de l'art mais tu, tu vois la construction du radeau de la méduse ben bah, en fait c'est la même qui est utilisée aujourd'hui en publicité dans les 4 par 3 du métro oui. avec euh, cette construction etc pour attirer l'œil à tel endroit et, et tout ça c'est une richesse qu'on a euh, qui nous sert pas uniquement à nous la péter euh, quand on mange euh, avec, oui, euh, avec ouais, euh, des artistes ouais. ça nous sert vraiment au quotidien et, ouais. euh, et cette richesse là je, je, je trouve super justement qu'elle passe par euh, l'éducation alors si c'est au sein du foyer c'est top et, euh, et c'est super que les que professeurs vrai, qu offrent l'opportunité ouais. à des enfants qui n'ont pas forcément les moyens parce que ça reste un coût parce que euh, aller au théâtre c'est pas c'est pas donné euh, toujours et puis parce que c'est quelque chose qui s'apprend en fait complètement simplement. et je, je pense je suis pas sûr tu vois si on n'a pas eu cette éducation là je sais pas si on la transmet oui mais en tuant. tout cas euh, en tout cas je trouve que il y a beaucoup d'institutions culturelles qui arrivent aujourd'hui à à justement désacraliser la, salle, ouais. la boîte blanche d'une galerie d'art ou d'un musée et, euh, et c'est pas parce que le, le fauteuil est en velours rouge qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dessus au théâtre et ça c'est hyper important et, euh, et euh, quand on a eu la chance d'avoir cette éducation là je trouve que je trouve qu'on a vraiment on a vraiment de la chance et c'est quelque chose qui Clairement nous sert ouais. quotidiennement alors du coup c'est euh, es abonné à quel musée alors <laughs> on va faire la liste je vais en abonnement euh, le centre Pompidou, okay. le palais de Tokyo, euh, le McVal qui est à Ça Vitry, veux... Parce que est... Okay. Euh, qui est le musée départemental du Val-de-Marne. Ah oui, qui est un euh... musée d'art contemporain, non Ouais, ok. Alors, oui nettement plus art contemporain que art classique, je dois avouer, euh, parce, que, parce que je trouve ça très intéressant sur l'utilisation, bah, que ce soit de la vidéo, que ce mmh. soit du son, que ce soit vraiment pictural, de la sculpture. Je trouve que ça offre un champ euh, vraiment important est pas euh, voilà euh, certainement euh, certainement s'il y avait eu de la, de la vidéo à l'époque de de Picasso il en aurait fait euh, voilà c'est aussi propre à la technique euh, c'est ce qui est intéressant aussi dans l'évolution de, de, des pratiques artistiques et, euh, et puis, moi, d'un point de vue, quand je fais une mise en scène, je fais aussi la scénographie. Mmh. J'y vais pas simplement pour passer du ouais. bon temps, même si j'en passe, mais c'est aussi une forme, une forme de, 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 de travail, de recherche, d'inspiration. Euh, et puis, dans un musée, il y a de la lumière, comment la lumière est Bien apportée. Il ouais. euh, ouais, y a voilà, de la scénographie, en fait. Il y a de la scénographie, et c'est un, un superbe, superbe boulot que, que la scénographie d'espace d'exposition. Et, euh, et voilà. Et je trouve ça, je trouve ça intéressant. Et je, je n'y vais pas qu'en tant que visiteur, même si j'adore ça. J'y vais aussi dans un cadre un peu plus euh, pro et, euh, et voilà de, de, de recherche. Et, et c'est intéressant parce que parce que les artistes contemporains, il y a aussi un moment où on peut les voir. Mm -hmm. Il y a aussi un moment Bien où sûr. on peut écouter une interview. Et il y a aussi le moment où on peut avoir une grande euh, une grande exposition. Euh, voilà, moi j'avais été fasciné par euh, Christian Boltanski euh, euh, au centre Pompidou, et, euh, et c'est vrai que bah, du coup je suis allé au McVal, j'ai découvert le McVal pour voir une de ses œuvres, et euh, alors il est, il est décédé euh, dorénavant, mais voilà, on peut, euh, peut, euh, peut le, le, j'allais dire, on peut les toucher ces, oui, ces artistes-là ce et on dire. peut avoir euh, l'actualité. Alors, on l'a aussi par le biais des, le biais des réseaux sociaux, euh, sur, sur les différents projets, ce qui permet, euh, ce qui permet de voir Animof fait une performance à tel, euh, dans tel pays à tel endroit et presque de pouvoir la suivre en mmh. direct. Ouais. Et, euh, et ça, ça permet aussi... Euh, moi, j'ai les réseaux sociaux essentiellement pour ça okay. parce que je trouve ça vachement intéressant de suivre euh, ce qui se passe ailleurs c'est pas forcément voilà que qu'un qu ami mange un hamburger euh, euh, rue <laughs> Rivoli, bon je, je dois avouer que je m'en fous mais euh, mais euh, suivre des personnes comme ça et pouvoir okay, suivre ouais. leur travail là je trouve que c'est un, un vrai outil les réseaux sociaux okay, l'hamburger euh, rue de Rivoli <laughs> un peu moins euh, voilà. mais alors donc du coup sans pompidou Tokyo McVal McVal euh, qu'est ce que j'ai d'autre euh, parce que j'ai pas toutes les cartes physiques, Il y en a certaines qui sont euh, juste ah, oui, dé dématérialisées euh, Je crois que je dois avoir le Musée d'Art Moderne. Ok. Aussi. Euh, si j'ai la Bourse du Commerce. Oui. Euh, et je crois que c'est tout. D'accord. Ah oui. Donc ouais, effectivement, quelques très très contemporains. Oui, moderne, oui, très modernes. Ce qui m'empêche pas de visiter les autres, mais c'est non, bien que, sûr, euh, mais je, je suis de manière un peu moins, euh, un peu moins euh, les expositions euh, du Louvre, par exemple, oui. à tort. À tort. Bah après, j'ai pas l'impression que le Louvre, bah, peut-être que ma mère va, me, va être hors d'elle quand elle va entendre ça et elle va, elle va m'appeler, euh, j'ai pas l'impression que le Louvre se démarque énormément par ses, euh, ses expositions euh, temporaires. Si moi j'avais vu la collection euh, permanente est déjà tellement dingue. Que... Vrai. Vrai. Et puis il y a quelque chose pour le coup au Louvre que je trouve euh, hyper, euh, hyper fou, c'est que... C'est complètement énorme ce musée. Oui, tu arrives au Louvre, tu sais absolument pas par où commencer, tu es sous la verrière de la pyramide et tu te dis OK, alors mmh. on va où Il y a des mmh. œuvres qui sont connues dans le monde entier, que tu as vues dans tes manuels de cours pendant toute ton, toute ton éducation dans chaque salle et il euh, y a quelque chose d'un peu vertigineux moi j'avais vu euh, Vermeer euh, mmh. euh, alors euh, qui était quand même très particulier puisque c'est des, des tableaux qui font la taille d'une feuille de papier et oui. il y avait énormément de monde devant, mais, euh, mais qui était une très très belle exposition temporaire euh, du Louvre ok mais euh... ouais, je crois que j'ai pas de souvenir d'exposition au Louvre que j'ai vu, enfin que j'ai vu, vu. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des manies euh, Est-ce que j'ai des manies J'ai des, des, petits, j'ai des petits rituels. Ok. Euh, j'ai des petits rituels, mais. Rien de maladif, pour l'instant. <laughs> <laughs> non, je, je me passe du stick à lèvres à peu près euh, 15 fois par jour. Je <laughs> un faisant le disant. Voilà. Juste un stick à peu près par semaine. Euh, ah oui euh, Ça, c'est vraiment une manie. Euh, non. Bah, je fume. C'est une forme de manie. Oui, aussi. bien sûr. Ouais. Bah, c'est euh, une addiction, donc ouais. c'est une manie. Ouais. Mais sinon, non. Pas forcément. Euh, en tout cas, rien de... Rien que je reconnaisse, j'en ai oui. forcément, mais euh, les, les citer euh, difficilement. Après, j'ai mes petits trucs euh, avant les spectacles, ouais. j'ai mes, mes petits rituels comme ça. Alors, tu, peux les, euh... tu peux les dévoiler ou euh... ouais carrément carrément bah je, je bois euh, très souvent un oasis pomme cassis framboise ok euh, voilà donc je prévois en amont parce que je, on a la chance de se déplacer avec le spectacle et donc des fois de se retrouver euh, là où il y a dans pas, des là... coins où ils ne connaissent pas le pomme ils cassis connaissent certainement mais en tout cas il n'est pas en vente euh, immédiate donc ça c'est un peu un rituel euh, j'écoute une chanson qui s'appelle Sabali okay. Damadou et Mariam que je trouve vraiment vraiment très sympathique euh, et voilà et c'est un peu c'est un peu euh, l'énergie si je me change je mets mon costume qu'au dernier moment okay. euh, je fais un petit speech euh, quand je mets en scène je fais un petit speech aux comédiens euh, voilà en... En disant bah, qu'il qu faut qu'il faut profiter. On avait on avant avait. Chaque représentation ou juste pour la première Non, avant chaque. Ok. <laughs> Personne ne s'est jamais plaint. Okay. Bon, donc euh, je continue, tu vois. Non non, euh, j'avais euh, quand, quand le podcast va sortir, il y en a qui vont écouter. Alors à ce propos. <rire> <rire> non mais j'avais. Euh, on allait travailler avec un technicien qui assurait nos régies et, euh, et qui avant le spectacle venait nous voir et disait bon voyage et okay. euh, et, euh, et je trouve cette idée très vraie oui. et, euh, et donc maintenant que j'ai travaillé avec lui je dis aussi tu bon dis voyage aussi bon <laughs> voyage parce que parce que c'est pendant une heure euh, ou deux euh, un voyage et euh, et, euh, et je trouve ça je trouve ça cool d'avoir ce petit moment de, de communion tous ensemble et euh, et voilà et puis et puis on est vachement on, on s'appuie énormément les uns sur les autres donc il faut il faut qu'on soit un peu en, en symbiose avant d'attaquer Très bien. Euh, ah, trouves-tu que le physique soit révélateur des personnalités Non. Je... L'habit ne fait pas le moine. <laughs> non, non, ouais. je, je pense pas. Et, euh, et d'ailleurs, tant mieux. Parce que. Euh, parce qu'on peut. Bah, tu vois, typiquement, quand j'ai travaillé sur l'être sans-abri. Euh, T'avais des personnes qui étaient très loin de, du, du, du cliché qu'on peut avoir de la personne qui vit dans la rue avec une longue barbe et une bouteille de villageoise. Euh, C'est d'ailleurs une, enfin, moi c'était un des premiers. Alors, J'y allais pas non plus avec cette image, il hein, ne faut pas caricaturer. Mais, euh, mais je m'attendais à rencontrer des gens euh, qui ont bah, typiquement des addictions, qui sont typiquement dans une telle misère que bah, euh, l'accès euh, à, à la douche est très restreinte, etc. Et en fait, non, j'ai rencontré des gens qui bossaient, j'ai rencontré des gens euh, qui euh, s'achetaient. J'en je, je, ai discuté avec un monsieur qui était en costume et qui me disait bah ouais, en fait, moi, j'ai un boulot. Je, je dors dans des foyers, mais j'ai un boulot et il faut que, il faut que je fasse la manche euh, en plus de mon boulot et il faut que mon boulot me serve à m'acheter un costume parce que je dois aller travailler en costume. Et donc, euh, et donc, euh, alors c est, c est, c est, ça fait partie du physique aussi la manière de s'habiller. Bien sûr. Ouais. Et, euh, et donc non et, euh, et c'est hyper intéressant justement d'avoir rencontré toutes ces personnes parce que tu changes complètement de, tu changes complètement de regard sur. Euh, sur l'image que tu te fais des gens sur euh, presque les attentes parce mmh. qu'au bout d'un moment tu te dis bah forcément c'est quelqu'un à, à la rue qui s'est pas lavé bah en fait non pas du tout euh, par chance il existe des associations qui font un boulot de dingue euh, et qui permettent l'accès à des soins que ce soit pédicure gynécologique euh, okay. dentaire euh, et, euh, et donc voilà et donc non je pense que le je pense que le physique euh, le physique fait pas fait pas grand chose et d'ailleurs euh, D'ailleurs, très souvent, quand on a une idée très arrêtée sur le physique de quelqu'un, très souvent, on se retrouve tout con au bout d'un moment parce qu'on s'est bien planté. Ouais. Non, t'es pas d'accord. <laughs> euh, pas forcément, non. Mais alors, du coup, c est, c est, tu, tu, tu parlais d'associations. As, T'as bossé avec des associations euh, dans le cadre de euh, du travail autour de euh, l'être sans abri. Eh bah, ben, déjà, on bosse systématiquement avec une association sur chaque représentation. Okay où euh, on organise un bord plateau avec euh, un ou plusieurs bénévoles ou salariés d'association, où on essaye justement, voilà, quand, euh, typiquement euh, quand on va jouer à Tours, mmh. euh, moi Tours, j'y étais jamais allé avant de jouer le spectacle. Et donc, euh, et donc je trouve ça intéressant qu'il y ait une association qui soit là et qui dise aux spectateurs, bah, nous, on est là, on est à Tours, on okay. agit, on fait ça. Il est, il est absolument pas obligé de donner 200 euros. Il n'est pas obligé de devenir bénévole, mais c'est juste de savoir, de pouvoir en parler, de pouvoir, euh, de pouvoir éventuellement euh, diriger quelqu'un qui se retrouverait dans ce dans ce besoin. Et donc on fait systématiquement ces organisations là okay. avec euh, avec des associations et aussi euh, et aussi euh, bah voilà les les textes du spectacle sont sortis. C'est une association qui récupère l'ensemble des bénéfices qui s'appelle les mains tendues, euh, qui est une association à Orléans. Et... Euh... Et donc voilà et, et c'était important pour moi d'avoir euh, d'avoir cette continuité ce qui permet aussi à des personnes euh, en situation de rue de venir voir le spectacle ok et, euh, et ça c'est quelque chose alors c'est toujours euh, toujours un grand stress pour nous euh, mais c'est en même temps euh, c'est en même temps euh, super d'avoir de, de, leur retour mmh, bien sûr. Euh, et de pouvoir échanger on a très souvent des gens qui sont ou étaient à la rue qui interviennent euh, sur scène okay. et donc voilà et nous euh, le spectacle est écrit à partir de témoignages euh, réel mais moi j'ai fait tout, toute la réécriture aussi dans le but de ne pas livrer tel quel le témoignage ouais. mais de le rendre anonyme ou en tout cas de mixer euh, certaines femmes sont devenues des hommes et inversement pour pas pour pas être un spectacle qui pointe du doigt c'est pas c'est pas oui. euh, voilà on n'est pas une petite souris qui regarde dans, dans la vie de, de quelqu'un euh, on parle d'un sujet et, euh, et c'est ce que je dis moi je pose, le, je pose le plat au milieu de la table tu te sers, tu te sers pas, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que le plat il soit posé là. On est d'accord, on l'est pas, on a envie d'agir ou pas, euh, on aime le spectacle ou pas, ce qui arrive. Euh, ben voilà, au moins, euh, au moins, on parlait tout à l'heure de la démarche de, du spectateur. Ben, ouais. au moins, il euh, y a la démarche qui est faite et après chacun se fait son avis sur la question et son envie d'aller plus loin. Okay. Très bien. Euh, ben, on va reparler cinéma. Allez. Quel est le film qui n'aurait pas dû avoir de suite? Oh oui, il y en a beaucoup en fait. Il y en hein. a beaucoup, beaucoup, <laughs> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que les visiteurs, on a quand même, euh, on a quand même atteint euh, des choses qui sont pas très belles. Euh... Ouais, mais il y a les visiteurs de que je sauverai moi. Euh... Non, <laughs> non, je pense pas. Non, tu ah, crois c est... C est... ah ouais, ceci euh, si, si, euh... ah ouais. avec Muriel Robin qui remplace Valérie Lemercier ce qui donne une interprétation complètement différente. Alors, les, les visiteurs de je, le, je le défends énormément. Ouais. Non, euh, je, je pense que les bronzés, c'est aller trop loin. Ouais. Euh, je... Mais en fait, beaucoup de films, ce qui est très amusant sur les deux, c'est que très souvent, euh, on a plus grand chose à raconter. Du coup, soit on part à l'étranger il euh, y a plein de films comme ça où soudainement bah hop ils partent à l'étranger parce que ça fait des belles images et que c'est plus simple ouais. mais euh, mais souvent les deux il y a pas il a pas énormément de choses euh, qui s'y passent ce qui est moins vrai sur les séries je trouve que sur les ouais. séries il y a vraiment un, un, un regain euh, de d'intrigue et, euh, et, et les personnages sont souvent plus intéressants dans les secondes saisons que les, les premières mais euh, ouais. mais non il y a des films qui ont qu on eu beaucoup euh, euh, tu vois, la coccinelle, les films de la coccinelle, il y en a, il y en a beaucoup trop. Moi, je regardais ça gamin. Euh, je crois que, je crois qu'il y en a trop. Euh, oui, la, les films de la coccinelle, oui, ça me dit vaguement un truc. Euh... Je, je, je me souviens plus trop de l'histoire, mais je crois qu'il y en a six ou sept. Ouais. C'est une voiture coccinelle et as des pilotes et. Non, il y a trop, il y a trop de... Et puis, ce pas parce qu'un bon film, il a, il a bien marché ou pas en salle, mais, euh, mais il a peut-être bien marché aussi parce que c'était un one-shot et ne oui, euh, bah, n'allait ouais. pas forcément aller plus loin. Est-ce qu'au contraire, il y a des suites que tu préfères au premier Bah, je crois pas. Ouais. <rire> <rire> non, non, je crois pas. Je crois que... Et puis, tu n'as jamais, jamais la même, euh, la même appréciation. Parce que, parce que la découverte du personnage parce que la découverte de l'intrigue la découverte de sa vie euh, tout ça c'est assez, euh, assez excitant et même, euh, même dans les livres euh, je crois pas avoir eu un attrait j'ai pas lu beaucoup de beaucoup de séries tu me diras euh, mais euh, non euh, je je pense que la, la découverte en fait, de, du cadre de l'intrigue est très intéressante que tu retrouves nécessairement sur un, sur un numéro 2. Mais euh, il mais y a quand même toujours un peu cet esprit de déjà vu. Ouais, je vois. Euh, J'en avais pas pioché une, moi. Bon, c'est pas grave. Je pensais avoir pris de l'avance. Et non. Euh, Est-ce que tu es rancunier Oui, énormément. Ok. Euh, je suis rancunier, mais alors euh, ça se voit pas. D'accord. On n'arrive pas. J'arrive à faire croire que je ne le suis pas. En tout cas, j'ai ce sentiment. Ça okay. se trouve pas bah du se tout. Trouve, euh, tout le monde. Tout le <laughs> <laughs> monde sait que je suis un gros rancunier. <laughs> non, non, je le suis. Après, étonnamment, je le suis sur des, sur des broutilles, mais je ne vais pas l'être sur des choses euh, graves. Ok. Je vais l'être sur, un, sur un, un truc assez anodin. Euh, c'est une rancœur mais c'est aussi euh, c'est aussi de pas oublier ouais. euh, parce que parce qu'il faut pas il faut pas sinon après on laisse passer beaucoup de choses et euh, et voilà notamment notamment dans un cadre de boulot oui. euh, je pense qu'il en faut un peu euh, il faut jamais tomber dans l'extrême et, euh, et ne, ne voilà moi j'arrive à faire j'arrive à passer à autre chose mais j'ai toujours euh, j'ai toujours une certaine rancœur ouais okay. Mais donc ouais pour les trucs un peu euh, un peu graves, un peu euh, importants, tu euh, pour le coup tu passes un peu plus euh... oui non, j ai, j ai, j ai, parce que parce que souvent quand c'est des choses graves c'est des gens que apprécies oui et euh, parce que justement ça te tient beaucoup trop à cœur et euh, et donc non non j'arrive j'arrive à passer au delà euh, parce que parce que je tiens je tiens la personne tout simplement très bien J'arrive même à me savoir si je l'ai. En fait, si j'avais tiré une question, du coup, je sais plus si je l'ai posée ou pas. On est sur un épisode très aléatoire. C'est parfait. <laughs> C'est le fait d'avoir été coupé qui m'a me... Qui me... Qui le... coupé mon rythme. Euh, tu vas me dire si je l'ai déjà posé. Quelle est la chose qui t'énerve instantanément Non, non, je l'ai pas posé. C'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Bon, ça va. Je ne suis pas encore fou. Du coup, quelle est la chose qui t'énerve instantanément Alors je suis Assez, euh, je peux être assez sanguin dans, okay. dans quelques cas de figure, <laughs> euh, notamment, euh, notamment au, au volant, yeah. <laughs> en scooter. <laughs> euh, non, le truc qui m'horripile de plus en plus, c'est les personnes qui jettent leur mégot par terre. Ok. Euh, ça m'arrive de le ramasser, d'aller le rendre à la personne. Ah ouais. Parce que je trouve ça tellement con, tu le gardes dans ta poche, alors t'as la poche qui sent un peu le tabac froid, mais où tu t'organises avec un standard de oui. poche. Mais voilà. Et ça, je, je trouve que c'est un geste très anodin. Et puis c'est toujours, on s'en fout, il y aura quelqu'un qui le ramassera. Et euh, et ce ce mépris là de quelqu'un le ramassera me me gonfle un peu et c'est quand même c'est quand même un petit geste écologique qu'on peut oui. tous faire, sachant que t'as toujours une poubelle. À... Ah c'est ça. Surtout à Paris. Euh, hein. Voilà, dans les pas, grandes ouais. villes, tu trouves une poubelle. Tu Donc as euh, même pas à le mettre dans ta poche. Tu marches non. 10 mètres, tu as une poubelle. Euh... Et, euh, et voilà, et pareil, le mec couvre son, son paquet de clopes et qui jette le plastique oui. en ah dans ouais. le tabac et tout. Et voilà, et ça, ça, ça m'énerve. Et surtout. Euh... Surtout que je sais pas, on vit tous dans la même ville, quoi. Oui, bah, donc euh, ouais. c'est euh, pas, c'est guère plus pour moi que pour quelqu'un d'autre le fait d'avoir un papier par terre et de le jeter. Ah là, quand t'as un, un bout de papier qui tombe de ta poche, euh, je, je, je reste très calme. Mais oui. quand tu, quand c'est jeté pour jeter, je, je vois vraiment pas l'intérêt. Ok, je vois. Ouais, non, je, je comprends assez bien euh, ouais, ce, que, ce, que, ce qui peut agacer, en fait, enfin ce qui peut oui, ce qui peut énerver euh, dans, dans ce genre de dans ce genre de comportement. Ouais. Euh, ah, y a-t-il une chose que les gens trouvent étrange à propos de toi mmh. Excepté le fait que tu remettes du stick sur les lèvres de manière frénétique, de manière frénétique. Euh, les 10 minutes. Euh, non, je. Donc, tu trouves ça étrange Ça veut dire. <rire> <rire> non, euh, bah, tu vois, il euh, y a beaucoup de gens qui. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion il y a très peu de temps. Mais euh, il mais y a souvent, euh, souvent un certain... Euh, pas mépris, mais un peu en mode... Euh, oui, bon, ça va, euh, t'écris un spectacle, tu fais trois répètes et, euh, et puis tu te fais applaudir à la fin. Et, euh, et donc ça, je dirais que beaucoup de gens euh, avec qui je suis proche ou moins proche, c'est un peu le truc là... Tu vois, l'autre jour, je disais à quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps, bah moi, maintenant, je fais du théâtre. Mm -hmm. et, euh, et elle m'a répondu, ah, bah, super, moi, j'ai euh, repris la piscine. Tu sais, j'en faisais... Euh... J'étais là maintenant mais euh, j'en je, ouais. je, 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 vis, en fait <laughs> donc, je, voilà et, euh, et donc voilà il y a un peu euh, et moi qui me alors par chance que j'ai pas du tout de, de mon cercle le plus proche mmh. mais euh, mais c'est vrai que souvent il y a un peu ce truc euh, et puis il y a toujours l'image de l'intermittent du mec qui va bosser oui. euh, deux heures et pas travailler pendant un mois et en fait euh, et en fait les gens trouvent ça trouvent ça assez étrange euh, euh, Qu'on puisse passer du temps. Euh, typiquement, euh, quand j'avais monté le spectacle sur Hélène Keller, Hélène Keller, on a très peu de choses. De, on sait très peu de choses de sa vie. Mmh, euh, oui, a on a, on a son autobiographie, mais il est très difficile de retracer, de retracer sa vie. Alors, il y a toute une fondation qui fait un travail autour de, autour de son parcours. Mais en fait, euh, le, 11, euh, le 11 septembre, euh, dormait euh, tranquillement dans les, dans les tours jumelles les archives, les écrits d'Hélène ah Keller. Ouais et, euh, et donc, on a tout perdu. Et donc, il a fallu, euh, moi, pendant quasiment un an, je me suis renseigné sur Hélène Keller en allant chercher dans des, dans des bibliothèques, en allant chercher sur Internet. Et, euh, et ça, on trouve ça, on trouve ça des fois assez étrange okay. en fait, de, de ouais, prendre autant de temps sur. Euh, J'avais monté, enfin, je n'ai pas monté encore le spectacle, mais j'ai écrit un texte assez fascinant. J'invite tout le monde à se renseigner sur cette personne. Sur Jeanne Duval, qui est, euh, qui est la muse de, de Charles Baudelaire mmh. et qui est, euh, qui on sait aujourd'hui euh, parce qu'on a compris certaines choses, est vraiment au cœur euh, des Fleurs du Mal. Mmh. Et en fait, cette femme est complètement passée, euh, complètement Souhait, passée ouais, au, au silence, sous euh, silence euh, dans euh, si bien qu'on ne sait pas si elle s'appelle Jeanne Duval. On okay. ne sait pas si elle a vraiment vécu, certains se posent des questions. Euh, on ne sait pas de... Elle était. Euh, elle est euh, arrivée en France euh, tardivement, autour de 20 ans, visiblement, mais on ne sait pas d'où elle vient. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est morte, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est née. On ne sait, sait rien de cette personne. Et ça, moi, j'ai adoré me plonger ouais, dans ouais. la vie, de ce que j'ai pu trouver sur ouais. sa vie. Ça, ça a été une fascination euh, fascination euh, complète de dire bah en fait on sait rien sur cette personne mais elle est quand même euh, au cœur d'un des recueils les plus importants de poésie de poésie ouais, de, et ouais. euh, et elle est un peu le, le, le point névralgique de, de toute la vie de Baudelaire ils se, il se mettaient sur la gueule constamment euh, ils avaient une vie sexuelle complètement complètement euh, euh, comment dire chaotique Chaotique, merci et, euh, et donc voilà et ça c'est le genre de choses un peu qu'on peut trouver étrange où je peux faire une fixette pendant un an sur. Alors, je euh, trouve pas ça C'est vrai. Bah, je pourrais faire une fixette aussi et encore plus si c'était mon enfin si ça, hum, si ça rentrait dans le cadre moi, de mon activité professionnelle euh, mm. tu vois par exemple moi faire le tour des bibliothèques et des archives parce que tu écris une pièce sur euh, Nanker j'ai en mode bah, Limite, pour moi, c'est normal, en fait. C'est naturel. C'est comme ça que ça... Oui, on... oui. Non, moi, je le, moi je, le conçois comme, euh, je le conçois vraiment comme du boulot. Mais après, c'est plus euh, la, la manière euh, extrême ah, dans laquelle je peux me jeter dans le, oui. euh, dans le le presque dans l'enfermement euh, à ce sujet. Quoi. Et du coup, je découvre qu'il y avait des archives dans, les, dans le World Trade Center. Euh, Absolument. OK. Qu'on a donc perdu, ça. Ça, c'est regrettable. Euh, alors... Si tu pouvais exercer n'importe quel métier, lequel choisirais-tu Bah, je choisirais. Euh, je pense qu'il faut, il faut, vivre quelque chose de très différent, euh, parce que je veux pas dire, je veux pas dire euh, quelque chose de trop proche. Et en même temps, je me vois difficilement faire quelque chose de, de très différent. Mmh. Euh, Peut-être peut quelque chose... Euh, euh, je pense toujours dans l'artistique. Ouais. Euh, euh, plasticien, je pense que c'est quelque chose okay. d'assez intéressant. Et alors, pour le coup, je le ferai à une autre époque. Euh, okay. pour reprendre la question de tout à l'heure ouais. euh, typiquement à l'époque de la Renaissance je pense qu'il devait y avoir quelque chose d'assez euh, d'assez monstrueux déjà quand tu vois la taille de certains tableaux quand ouais. tu vois la, la, la technique alors euh, avec les petites mains qui accompagnent euh, qui accompagnent le maître mais euh, bah, typiquement petite mains à la Renaissance euh, okay. élève élève d'un grand maître je pense que c'est très intéressant et sinon aussi euh, restaurateur de tableaux ça je okay. trouve que ouais. euh, dans le dans la même veine je trouve que c'est quelque chose d'assez euh... alors moi je suis pas très axé euh, technologie rayon X euh, mmh. ou je ne sais quelle lettre pour voir euh, combien de couches il y a d'huile. Mais, euh, mais je pense que c'est des, des, des métiers très chouettes. En fait, plus dans l'artisanat aussi. Oui, euh, ok, ouais. Parce que, que j'aime bien. Je me, je me vois difficilement être derrière un, un bureau, un ordinateur euh, dans un open space. Oui. Après, la, la, la formulation de la question <laughs> fait que si quelqu'un me, me, me répond « Ah oh, bah... Euh... » Happiness manager dans un open space, je quoi que ça, c'est pas le pire dans un open space. Je préfère être happiness manager que répondre à des mails. Euh, à toute la journée. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bon, après, le métier d'happiness manager a déjà disparu hein, avec le Covid. <laughs> Il n'y a, euh, a plus d'appis. Euh... Ah, bah. Maintenant, en plus, avec le, 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 le télétravail, ouais. c'est des... Mais, euh, ok, ouais, je trouve, super intéressant. Hein, le... Petite main à la renaissance, effectivement. Y avoir, ah, y je pense que ça devait assez, être assez, assez, assez fascinant, fascinant. Ouais. ouais. Euh, si tu pouvais rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle serait-ce euh, Ma grand-mère était professeur des professeurs. Euh, C'est-à-dire bah, En fait, elle enseignait auprès des, des enseignants. Ok, d'accord. donc, c'était tout ce qui était euh, travail euh, manuel. Je <laughs> n'ai pas l'appellation exacte de la matière, mais c'était euh, recoudre un bouton, mm -hmm. repasser sa, sa chemise, euh, poser un lait de papier peint. Et, euh, et je trouve que cette matière-là... Alors, c'est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la technologie euh, au collège, mais la oui. technologie, euh, voilà, on fait un... On fait on un, un porte-clés lumineux. Un... Euh... Voilà. Et, euh, et des choses utiles euh, alors, on peut, ça peut être très utile de faire un porte clés lumineux. Mais euh, par exemple, je trouve que bah, savoir euh, repasser sa chemise, poser un lait de papier peint, euh, voilà, des, des choses. Euh, alors, ça, ça fait un peu, ça fait un peu vieillot. Mais en tout cas, je trouve que c'est, ça peut être aussi le rôle de l'école, de oui. d'avoir cette capacité-là de, de faire par soi-même, parce que je trouve ça vachement, euh, vachement euh, intéressant. Et puis euh, et puis, euh, enrichissant, okay. valorisant de, de pouvoir dire bah, ça, je l'ai fait, je l'ai fait moi-même. Ouais. Euh, parce, que, parce que je pense que c'est quelque chose de... bah, qui, est, qui est nécessaire. Et typiquement, plutôt que d'aller mettre 15 euros dans un, dans un ourlet de pantalon, mm -hmm. bah, tu peux te le faire toi-même. Toi et, ouais, euh, ouais. et ça, c'est plutôt chouette. Après, je pense qu'il y a des matières aussi qui arrivent, mais un peu tard. Mmh. Euh, typiquement, je trouve que la philo, ça arrive, ça arrive un peu tardivement. Ouais. Alors, je, je conçois qu'il faille aussi que l'élève soit suffisamment grand et apte à, à entendre, mais, mais plus d'initiation à la oui. philo okay, au collège, ouais. parce que justement, ça fait un peu, euh, on commence en seconde. Euh, alors moi, j'ai, étant donné que j'ai fait S, j'ai ah, juste eu en euh, terminale. Ouais. Euh, je crois qu'en L on avait commencé en seconde. Bon, je me trompe peut-être, mais en tout cas euh, en première du coup, vu que la la, l, la seconde reste générale. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon. Oui, oui, c'est ça. Enfin, je, était générale de... à l'époque, vu que maintenant ils ont changé les cursus. Là, ils ont fait des trucs. Euh, ah, oui, je sais pas euh, trop comment ça se passe maintenant. Il n'y a plus de lettres en fait. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Et, euh, et justement, je trouve que la philo t'arrive et du jour au lendemain, alors déjà tu t'en fais toute une montagne pendant les deux mois d'été, et il y a un peu le truc, euh, bah, bam, ça c'est la philo. Et je pense que d'avoir euh, petit à petit mmh. euh, un peu de philo par-ci par-là, qui peuvent être euh, en anglais, en français, en espagnol ou, ou même le caler dans un cours de maths parce que euh, c'est euh, la même époque. Ou, voilà. En tout cas, amener la chose et désacraliser un peu le moment où tu vas avoir... En plus, nous, je ne sais plus, en, en L, je crois qu'on avait 9 heures de philo par semaine. Oui. Donc il faut, il faut quand même avoir un minimum d'appréciation, soit pour la matière, mais quand tu ne la connais pas, c'est un, un peu compliqué. Et je pense qu'on arrête au même titre... Je, je vais réformer tout, tout, toute l'école, tu as remarqué. Mais je pense qu'on arrête un peu tôt euh, l'art plastique ou visuel ouais. et la pratique musicale. Okay, je ouais. pense que je pense qu'on n'est on pas obligé d'en faire huit heures par semaine, ouais. mais que ça continue bah, typiquement par le biais d'une prof de français ou d'une prof euh, ou d'un prof de d'histoire. Ou, oui. Voilà, qui est quand même qui est quand même un minimum de continuité. Après, moi, j'ai fait de la flûte euh, au collège et j'avoue que voilà. On pourra demander à mon collègue qui vient de rentrer. Il est prof de musique en collège. Je crois que ça a un peu changé. On fait plus on fait plus on de leur, flûte, mais en fait, fait nous plus faire de flûte. C'est une histoire de dingue. On avait <laughs> eu la mauvaise liste euh, de fournitures, donc on avait tous acheté une flûte. <laughs> et comme la prof a dit ah bah c'est plus au programme, elle a dit bah comme vous avez tous une flûte, on va en faire cette année. Et donc après comme on avait qu'une <laughs> seule prof de musique dans le collège où j'étais, ça nous a suivis pendant toute la scolarité. <laughs> on voilà. faisait de la flûte chaque année. Et j'avoue que euh, 30 personnes qui jouent de la flûte en même temps, c'est pas. Euh, flûte à bec, hein, en plus. Oui. Le, le, le bon truc, tu sais, la, la flûte euh, beige en plastique. C'est pas ce qu'il y a de plus délicat pour les non, oreilles. Euh, c'est les... même euh, carrément effroyable. <laughs> <laughs> euh, Es-tu quelqu'un d'audacieux? un minimum oui hein. euh, je pense qu'il faut il faut en avoir un petit peu et euh, et euh, après on a on a tous euh, tous nos tempéraments mais oui moi j'essaye euh, bah bah euh, et puis aller de l'avant et puis se donner euh, se donner aussi les moyens de réussir c'est pas c'est pas qu'un coup de c'est pas qu'un coup d'éclat enfin euh, c'est pas c'est pas simplement, euh, c'est pas simplement faire un truc mmh. euh, pour arriver à cette chose. Il faut, il y a aussi tout le processus et euh, et puis ça demande, ça demande de, de croire en min un minimum en soi et euh, et ça c'est important ouais. au, au même titre que l'estime de pouvoir dire bah ouais j'y vais, j'y okay. vais et euh, et je vais au bout parce qu'il y a plein, il y a plein de moments où euh, dans la vie je trouve t'as as envie de t'as envie d'arrêter d'abandonner. Et c'est vrai que si tu as un minimum d'audace, bah, tu, tu peux tenir, tu peux tenir, aller jusqu'au bout, oui. ou en tout cas euh, tenter de rester, euh, rester dans la direction que tu t'es, tu t'es lancé. Ok, très bien. Alors, on arrive déjà à l'avant-dernière. C'est plus dur les dernières Non, pas forcément. Seulement... En général, c'est le, le moment où je, euh, où je les remets dans la boîte parce que je dis, oh non, celle-ci pour une avant-dernière ou pour une dernière, elle n'est pas bien. <laughs> Mais celle-ci est pas mal. Est-ce que tu as un talent que tu es embarrassé d'avoir un talent que je suis embarrassé et de... eh bah ben, typiquement je sais jouer le, le jingle enfin le générique de Colanta à la flûte à bec <laughs> euh, donc ça c'est ça c'est un peu bon après on me file rarement une flûte à bec tu vois c'est ça oui non j'ai une histoire qui est très drôle en termes d'embarras que j'ai aujourd'hui c'est euh, que petit j'avoue que j'étais assez fan des musiques de Claude François ok donc voilà mais c'est allé tellement loin que la première fois où je suis allé chez le coiffeur seul j'ai demandé euh, au coiffeur de me faire la même coupe. Que Claude François. Que Claude François. Euh, et là, je suis revenu chez moi et voilà. Mes parents m'ont dit oui bon peut-être pas <laughs> et euh, on va peut-être euh, te reprendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. Oh c'était même euh... pour le lendemain. Ils m'ont raccompagné c'était le <laughs> jour même. Il hein. y avait pas de y avait pas de possibilité. C'était vraiment affreux. <laughs> et puis j'avais le droit à tout au fer à lycée euh, donc j'avais vraiment un, un espèce de, de, de casque immonde. En plus plus jeune j'avais les cheveux les cheveux blonds et euh... et donc voilà j'avoue que je, je connais assez bien les les musiques de Claude François et euh, voir certaines chorégraphies, et que j'ai <laughs> un peu du mal, quel que soit le cadre, mais je peux être au supermarché. Euh, si j'entends euh, les Magnolias, bah j'avoue que je peux chanter. Okay. Et je suis pas sûr que ce soit un talent, loin de là. Mais <laughs> en tout cas, il y a vraiment, il y a vraiment un truc un peu, tu vois, j'ai le cœur qui palpite quoi. Okay. Je, ça me démange. Tu te dis. Euh... Et ok. Euh, Très bien. Et voilà. Mais au, partout, au resto, en rendez-vous, machin, je peux, 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 taper du pied à fond, commencer à fredonner. Et ça euh... peut être un trigger. Il <laughs> y, y a moyen de faire des, <laughs> faire des normes euh, avec ça. Tu n'aurais jamais dû dire ça, tu vois. C'est vrai. Des gens qui vont venir pendant des représentations d'une pièce super grave, super sérieuse et qui vont te balancer le lundi au soleil. Ah non, j'adorerais. puis j'adorerais en mettre dans. À chaque fois, je me dis, ah, peut-être cette musique, tu vois. Euh, je pense qu'en droit, peux tu peux mettre tellement cher. Oui, mais bon, après, on, on paye souvent, euh, souvent cher avec les droits ouais. euh, musicaux, mais c'est... tu vois, à chaque fois, je me dis. Ah bah cette chanson elle peut tout à fait convenir à ce mot. Puis après je me dis non mais bah, c'est complètement con. <laughs> hein, euh, ça n'a aucun rapport laisse tomber quoi. Mais euh, sans être pour autant euh, fan, mais euh, j'ai gardé euh, j'ai quelques séquelles de, de mes années euh, Claude François Très bien. et euh, l'appréciation euh, musicale. De... T'avais quel âge quand t'as fait faire cette coupe euh, Je pense j'avais 8-9 ans. Ah ouais. Bon, en même temps si tes parents t'emmènent tout, que toi t'envoie chez le coiffeur tout seul à 8-9 ans. C'était euh... vraiment en face de chez moi donc il n'y okay. avait pas de. Ouais d'accord. Et puis euh... non 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 c'était censé être être bordé hein. Je ne pouvais pas. Non je j'en ai pas honte hein. Oui. Mais euh, voilà je, je le dis je le dis parce qu'on n'est que deux tu vois. <laughs> C'est ça. Personne nous entend. personne n'écoute. De toute façon. <laughs> Et alors la dernière. Euh, ah bah écoute c'est une bonne dernière en, en, bah, c'est une bonne de conclusion hein, parce que dans 100 ans qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi mmh. donc a priori dans 100 ans je serais mort a priori moi ouais. C est, c est, Et on part du principe que l'humanité continue d'exister dans 100 ans ce qui... Ça fait, ça fait quand même deux choses. Ça fait deux a, deux a priori assez <laughs> assez importants. Euh, non, bah, je pense. Euh, bon, on a tous envie de laisser une trace qui soit plutôt plutôt sympatoche. Hein. Donc euh, donc, euh, si la mienne peut l'être, c'est cool. Après, euh, bah, en fait, j'aimerais bien qu'on se dise que j'ai ai bien, euh, ai bien aimé tout ça. Mmh. Euh, que c'était que c'était une chouette vie et, euh, et si c'est des personnes avec qui j'ai partagé, euh, partagé ces moments tant mieux euh, parce, que, parce que on n'est pas grand chose quand on est tout seul et, euh, et voilà et je, 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 je d'un point de vue vraiment euh, vraiment vie privée ouais que ce, ça, ça m'est plus après euh, d'un point de vue plus professionnel je sais pas parce que je j'ai pas vraiment de désir de reconnaissance. Mmh. Enfin, en tout cas, j'ai pas, pas ce besoin. Euh, on, on, souvent, souvent, on, on dit, euh, bah, ouais, en fait, tu vas être connu. Et en fait, ce n'est pas, pas du tout ma motivation. Parce que, parce que si tu veux être connu aujourd'hui, bah, on en parlait avec les réseaux sociaux, les, oui. les, les, les émissions. Tu, tu peux faire ton, ton coup d'éclat, ton quart d'heure de Bien célébrité, sûr, ouais. comme le disait Warhol. Mais là, euh, là moi, ce qui m'intéresse plus, c'est bah, justement de, de pouvoir travailler sur le long terme. Mmh. Parce que ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie que ça dure. Ouais. Et. Euh, et je, je m'en fous, je m'en fous complètement d'être reconnu dans la rue et, et, euh, et la chance que ça arrive est très maigre. Euh... C'est sûr que si c'est ton objectif, c'est pas le théâtre que je recommanderais. Non quoi. plus, en plus, euh... en plus. Mais par contre, la reconnaissance, typiquement professionnelle, par les pères, dans, ouais. le métier, dans le métier, euh, ça c'est vraiment quelque chose Bien sûr, moi. mais c'est très différent. Bah, pas qu'on dise c'est génial, je m'en moque. Enfin, moi je trouve ça génial de pouvoir avoir une conversation avec un spectateur qui me dit j'ai détesté, voilà okay. pourquoi j'ai oh, un peu moins d'appréciation quand on me dit j'ai détesté point barre oui, bien euh, bien mais faire. pouvoir en discuter c'est aussi pour ça c'est aussi l'intérêt de d'un de, 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 projet et d'une production mais il n'y a, y a pas de j'ai pas de manque de reconnaissance okay, ouais. et, euh, et je le recherche pas ou peut-être pas encore mm -hmm. et peut-être que ça viendra et à ce moment là faudra me le dire mais euh, mais je pense que c'est important aussi d'être euh, d'être euh, assez assez voilà on, on est on n'est pas non plus le, les seuls et euh, et euh, on fait des choses on fait des choses comme on peut et avec l'importance que ça a. mais il faut pas il faut je pense pas aller chercher il ouais. euh, faut pas tricher parce que de toute façon en oui. plus de si tu triches professionnellement ça, ça, ça va se voir en deux secondes et, euh, et puis moi, je suis au début de... Je ne de, de, sais pas si on pourra appeler ça une carrière un jour, mais je suis au début en tout cas de ma vie professionnelle. Pas et euh, et j'ai pas, pas du tout de, de, de volonté euh, énorme. J'ai envie de faire ce qui me plaît, d'en de, 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 vivre, de continuer à monter des projets qui me tiennent à cœur. Mais euh, mais si je fais pas de selfie dans la rue, c'est pas grave. <laughs> mais vraiment pas grave. tu es, es au début du voyage, du coup. Euh, pour <laughs> oui, reprendre les mots du du régisseur. Euh... Complètement, complètement. Très bien. Okay. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est à ton tour maintenant, si tu souhaites. Yes. Je euh, des, Alors. Des Question. Après, je commence à en avoir répondu à un certain nombre, donc ça se trouve. J'en trouve une, une inconnue. Faut tu euh, faut que tu pioches une autre. Alors, on te dit que la fin du monde a lieu dans un mois. Ah ouais. Que voudrais-tu absolument faire avant Croix. Euh... Est-ce que tu l'as déjà eue Non, je jamais eue. Et je crois qu'elle est jamais sortie en plus. Euh, bravo. Euh, je, je crois que je fais la teuf pendant un mois. Hein. Ouais. En vrai, je, je <laughs> fais le tour de tous mes potes et je, je, je picole avec absolument tous mes potes en fait. <laughs> et, et même des personnes que j'ai pas vues depuis des années en fait. Ouais. Avec des, tu vois, des. Genre, alors j'en ai pas énormément mais je trouve que je suis pas non plus la meilleure personne pour rester en contact avec les gens et, je, et tu vois il y a plein de gens euh, qui enfin, que j'aime beaucoup que j'ai pas vu depuis 2-3 ans mmh. et où je me dis vas-y c'est trop tard maintenant en fait euh, on s'est trop perdu de vue mais que j'adorerais revoir en vrai de vrai euh, du coup je pense que je passerais un mois à contacter tout le monde et à dire euh, bah on va, on va picoler en fait euh, on, va, on va boire et, euh, et toujours avec mon enregistreur pour tout enregistrer ouais. euh, même si de toute façon il y aura la fin du monde je pourrais même pas l'écouter donc non je, pourquoi je, me, je vais m'alourdir avec l'enregistreur non non je ouais, ouais, je pense que je, je passe un mois à faire le tour des gens que j'aime des gens avec qui je me suis bien marré à un moment ou un autre dans, dans, dans ma vie et puis euh, et puis voilà et puis je pense que euh, euh, je serais peut-être un peu plus euh, un peu plus rebelle en fait euh, dans le sens que euh, je sais pas, peut-être que je me mettrais à faire du graphe ou un ouais. genre de choses. Euh, je débarquerais dans les bureaux de mon ancien taf pour, euh, <laughs> pour péter un ou deux ordinateurs. Enfin, un, un truc très, euh, très puéril, en fait. Je pense okay. que je je, je, je ouais, ferai un truc très puéril et très. Euh, je fais la teuf, je m'amuse, je joue, euh, je casse tout. Et euh, de toute façon, dans 30 jours, c'est fini. Donc euh, autant, euh, autant profiter euh, au maximum. Voilà. Je pense que je fais, fais... Bon ça. programme. Ouais. ouais. <laughs> et toi bah, je pense un peu la même chose. Je pense que tu fais tout ce que tu t'es toujours refusé de faire. Bah, un peu parce ça, que, ouais. parce que tu sais que c'est, tu sais que c'est fini. Après, euh, après, on, on, là, c'est dans le cadre de la fin du monde et que il faut que tu aies tes capacités aussi, parce que il y a des Bien moments sûr. où tu sais pertinemment qu'il te reste pas beaucoup de temps, mais t'as pas trop les moyens d'aller boire des bières. Mais, euh, mais là, dans le cadre de la fin du monde. Euh, bah tu sais et puis en plus il y a l'excitation parce que tout le monde sait que c'est la fin du monde. Il oui. n'est pas le seul à vouloir faire les mêmes ça. choses ah bah après, et ça la... doit être un bon mois de bordel. Ouais. Euh, ouais. Oui je pense que euh... c'est ouais, euh... que c'est un mois de de d'anarchie de... euh, pure en fait. Euh, mais... Enfin non même pas d'anarchie d'ailleurs parce que l'anarchie est un système politique très organisé. Mm. Euh, mais oui c'est un... un mois de chaos en fait. Ouais ouais ça doit être vraiment vraiment euh... et puis du coup il doit y avoir euh... il doit y avoir une euh... Une énergie complètement ouais. folle euh, en ce dernier jour. Enfin, et, en en ce dernier temps, mois, et en même temps, tu vois, sur ce côté, sur cette énergie. En, en, quand on voit les, les, les conditions dans lesquelles on est actuellement, mmh. notamment l'été qu'on vient de passer caniculaire et qu'on ouais. voit comment c'est traité, euh, je vois beaucoup de gens qui disent euh, Bon, bah, le, le cinéma, la littérature nous ont raconté ce que ça allait être l'après fin du monde, mais on nous a pas expliqué à quel point l'avant fin du monde serait décevant et naze. Mmh. Et, et je suis assez d'accord avec ça. C est, c est qu on se rapproche quand même d'un cataclysme qui va être euh, horrible, même si on n'a pas, pas la date. Et c'est tellement naze, c'est tellement nul comme, euh, comme début de fin du monde euh, fin, ça pue ça je sais pas, donnez-nous un truc donnez-nous Mad Max de, 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 donnez-nous des voitures mais ne nous donnez pas Pascal Pro qui fait des, des, des de, de l'éditorial pour, euh, pour parler des Robespierre de l'écologie d'où ça a de la gueule ça, c'est naze donc peut-être que ça se trouve, on apprend que la fin du monde c'est dans un mois, il y aura aucune énergie sera tout éclaté mais... Euh... Peu de chance, mais on sait pas. En vrai, euh... non, on, sera pour, euh, on sera là pour. On sera là pour. sera là en euh, tout cas pour, <laughs> pour euh... mettre l'énergie. <laughs> c'est ça, voilà. <laughs> euh, du coup, c'est trois. Oui, si tu. Veux. Ah. Es-tu sensible à la critique euh, alors, bah, j'ai déjà, euh, déjà répondu euh, ce qu'elle m'a déjà été posée ouais. directement en plus dans, dans, dans l'épisode avec euh, Clément Arnoult, un très bon ami à moi euh, qui est musicien. Et la réponse est oui, euh, très clairement, je suis très sensible à la critique. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que. Enfin, euh, alors, ça... déjà, faut définir sensible, tu vois. Ouais, bah... C'est est-ce qu'elle m'atteint en, en me faisant de la peine ou est-ce que je suis sensible en disant je suis réceptif ouais. Et dans ce sens-là, je pense être globalement ré réceptif à toutes les critiques et sensible en fait, celles qui m'atteignent, bah, c'est celles qui, sont, qui je trouve sont pas assez argumentées en fait. Mm. Sont celles qui je, 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 je trouve débarquent un peu comme un hypercute et puis euh, ok, j'ai pas d'explication. Alors qu'on peut me dire des trucs beaucoup plus durs mais avec beaucoup plus d'explications, de, je vais beaucoup mieux le dire en fait. Ah bah euh, tu vois, euh, moi ça serait l'inverse. Ouais. Ouais. Typiquement le euh, nul. Ouais. Euh, je je m'en fous, mais alors le truc, s'il est argumenté, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça me, ça me touche d'autant plus. Enfin, ça me touche. Bah, oui, oui, non, mais ça, ça me touche aussi. Hein, ça, ça, c'est l'idée, mais je pense que c'est l'idée de, si quelqu'un a pris la peine de construire une réflexion autour de la critique qu'il veut te faire, c'est que c'est une personne qui veut quand même te voir euh, t'améliorer, et donc il n'y a pas à mal le prendre, en fait, et il n'y a pas à en souffrir. Ouais. Faut, c'est qu'il faut le prendre euh, alors que euh, et pour, bon tu me diras en même temps quelqu'un qui euh, devrait pas y avoir à souffrir d'un oui comme tu dis d'un nul euh, mmh. ce genre de choses ou d'un euh, bon Parce que, ma, ma... Ma maman se reconnaîtra, elle m'avait un jour fait la réflexion. On s'est expliqué depuis, mais elle m'avait un jour fait la réflexion qu'elle trouvait que je parlais trop dans le, dans le podcast. Euh, et bon, elle me l'avait dit juste juste comme ça, et ça, pour le coup, ça, ça m'avait touché, quoi. Et euh, mais donc, euh, donc mais ouais, je suis sensible à la critique, en règle générale. Après, euh, tu vois, avec le, avec le podcast, pour l'instant, j'ai pas encore eu de critiques de personnes que je ne connaissais pas. Okay. Enfin, j'ai eu quelques retours de personnes, euh, de, de personnes que je connaissais pas, mais qui pour l'instant ont tous été plutôt très très positifs. D'accord. Donc, j'ai encore jamais reçu de critiques euh, négatives d'une personne que je connais pas, et je, pour le coup, ça c'est un, un véritable inconnu pour moi de savoir comment je vais le, comment, comment je vais réagir, ouais. comment je vais le réceptionner. J'ai aucune idée de, est-ce que ça va énormément me toucher, encore plus me toucher que si c'est un proche, est-ce que je vais vraiment n'avoir rien à foutre, je, ça, je, je, je sais pas. La dernière. la dernière. Le trouver un peu petit. Oui. Je, je galère à passer ma main. Et la dernière sera... Tu as 30 minutes de temps libre. Comment aimes-tu t'occuper euh, En ce moment, je vois, j'étais à 5. <laughs> euh, quand j'ai 30 minutes de temps libre. Euh, j'ai eu une grosse phase, mais c'était il y a quelques années quand même déjà, ça. Mais euh, où j'étais... Euh... À fond dans tout ce qui était théorie du complot. Okay. Et vraiment les trucs les plus, euh, les plus barrés, les plus. Euh, et finalement les plus dangereux, en fait. Je me suis rendu compte euh, qu'il y avait. Euh, que rien n'était innocent dans les théories du complot. Ouais. Rien n'est rien n'est euh, les idées de quelques illuminés. Même la Terre plate, même, même des trucs où tu pourrais te dire euh, oui, bon, bah, ils font de mal à personne. A quand même des réflexions derrière qui peuvent être très dangereuses notamment on va pas se, va pas se mentir la base de la théorie du complot c'est l'antisémitisme mm. et et chaque théorie du complot trempe dans l'antisémitisme d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que je me suis beaucoup détaché de ce côté un peu court de récréation euh, que j'avais vis-à-vis des, des théories du complot. Alors qu'à une époque, je pouvais passer mes des heures et des heures sur les sites complotistes pour okay. pour tout lire. Et maintenant, euh, maintenant beaucoup moins parce que déjà ça rapporte du ça rapporte du clic, donc ça leur rapporte de l'argent, euh, ce que je veux pas faire euh, et parce que je trouve que pas finalement et je pense et surtout notamment avec tout ce qui s'est passé avec le Covid en fait où ça a été le... une forme d'explosion euh, ouais. de, 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 oui. de, de, du complot euh, mais voilà euh, donc euh, mais du... beaucoup de YouTube en fait en, en général quand j'ai 30 minutes devant moi euh... Je regarde plein de trucs différents, je regarde Al236, euh, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un tout. mec avec une voix qui est très reposante et il te parle d'univers imaginaire en fait, euh, il parle de Magic, okay. de Bioshock, de, de tout ce qui est euh, Elden Rings, euh, enfin, euh, les Dark Souls, ce genre mm -hmm. de choses euh, et en gros tout ce qui est euh, imaginaire... Euh, mythologique, fantastique, euh, magique, j'aime beaucoup ce qu'il euh, qui fait, euh, beaucoup de vidéos de cuisine en ce moment. Okay. Donc, euh, donc Et tu voilà. passes à la pratique ou juste les vidéos Ouais, un petit peu, ouais, ouais, ouais je, passe un peu à, je passe un peu à la pratique, euh, je commence à être bien équipé, ouais. Euh, donc, euh, donc ouais, je, 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 je passe un peu à la pratique, mais voilà ce que je fais dans les, euh, dans les 30 minutes. Après, j'ai rarement, en fait, euh, j'ai une gestion de mon temps qui fait que si je veux avoir 30 minutes de libre, je les ai, euh, mm. c'est rarement une... Et surtout, j'arrive toujours à... Par exemple, les vidéos de YouTube, euh, les vidéos sur YouTube, il y a des étapes dans le montage d'aléatoire où je peux totalement regarder une vidéo en faisant le montage d'aléatoire. Et donc maintenant, c'est plus dans ces moments-là, en fait, que je vais regarder sur... Euh, que je vais regarder YouTube. Donc ouais, en fait, j'étais à 5 en ce moment. Okay. Euh, J'adore ça. <laughs> Et toi eh ben moi, ce sera plutôt... Euh, plutôt sur de... soit de la lecture... Ouais. Euh... Soit, euh, soit je peux aller marcher 30 minutes. Okay. Euh, mais euh, mais justement, je, je serais plutôt éloigné des écrans. Oui. Euh, bon, après, il pleut des cordes. Euh, je, suis, voilà, je, je peux sortir mon téléphone et être, être sur Instagram. Hein. mais euh, Mais je... Et puis j'aime bah, bien quand euh, si ça peut s'enchaîner et qu'il n'y ait pas 30 minutes mmh. euh, entre deux trucs, euh, j'aime autant aussi. Oui, pareil. <laughs> Comme bah, ça, c'est quand pareil. même plus simple. Je suis, euh, et tu as vraiment des temps ouais. libres euh, plus longs qui te permettent de faire des trucs puis, euh, euh, plus sympas que, que l'entre-deux de, de la, de la demi-heure. C'est vrai que j'ai aussi une grosse tendance à maximiser mon. Ouais, euh, bah, c'est quand de... même plus simple. Bah, c'est ça, ouais. ouais. <laughs> Euh, avec ma copine on, on on a un petit jingle pour moi qui est Mister organization dit, okay. sur, dit sur un rythme un peu un peu reggae euh, euh, parce que bah, j'ai tendance à vraiment tout euh, tout planifier ouais. genre à tel moment je fais ça 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 et puis... Euh, ce qui ne veut pas dire que je le respecte forcément hein. des fois je me retrouvais sur Youtube en me disant mais attends j'étais pas, de... pas censé faire ça à la base, bon bah écoute je le ferai après mais euh, voilà. en tout cas bah écoute merci beaucoup eh ben, euh, d'être venu, merci super. pour tes, ton temps pour tes réponses, euh, comme je te l'ai dit il y a une dernière question qui est posée à tout le monde euh, est-ce que tu pourrais me donner deux personnes que tu aimerais entendre dans l'aléatoire une avec qui tu peux me mettre en contact et une euh, plus, euh, plus inaccessible enfin, voire même totalement inaccessible alors est-ce que je dois dire la personne je dois, je dois dire laquelle je peux te mettre en avec laquelle je peux te mettre oui, en contact Oui, ah. euh... Parce que pourquoi tu voudrais ne pas la dire Non mais bah, je voudrais laisser le, tu vois, laisser le, ah, le flou entre ah. les deux personnes. Mais ah, je peux, ok je peux, ok d'accord bah, te... vas-y. Non non vas-y si tu veux laisser le flou entre les deux personnes euh, faisons ça et va. Bah... Non, ça, ça va être, ça va être beaucoup trop galère. La personne que j'aimerais vraiment, vraiment entendre, avec qui je peux te mettre en contact, c'est euh, ta mère, parce que je pense que c'est très intéressant comme. Euh, tu peux pas me mettre comme... en contact avec ma bah, mère. Non, je peux pas, mais bon, j'ai son contact, donc je peux, <laughs> euh, je peux y parvenir, parce que je trouve que c'est, ça ferait un bon, un bon, bon épisode. Et la personne inatteignable. Euh, bah, bah pour rester sur euh, sur euh, je dirais je dirais euh, on va vraiment croire que j'ai une fascination mais je dirais quand même Catherine Deneuve neuf parce que je okay. suis sûr que je suis sûr que il y a beaucoup d'humour et que qu'il y aurait moyen de, y aurait moyen d'en découvrir pas mal sur 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 tout ça mais euh, mais comme euh, enfin très très sincèrement comme le, le concept est vraiment vraiment novateur je trouve et que, et que c'est très agréable en fait. Tout, tout tout ce moment qu'on a pu passer euh, je, je souhaite qu'il y ait le, le plus grand nombre de personnes qui se fassent cuisiner par cette petite boîte parce que parce que ça permet de, de, de se connaître et, et, euh, et c'est vraiment chouette merci Donc, merci à toi surtout bah écoute merci merci je, je sais pas du tout si je suis prêt à recevoir ma mère dans le podcast hein. non mais je, je lance je... l'idée je... <laughs> ouais 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 mais euh, bon écoute j'en parlerai maman on va en discuter hein on va on va voir euh, bah écoute en tout cas, encore merci. Où est-ce qu'on peut suivre ce que tu fais Quel est le moyen le plus simple de se tenir au courant de ce que tu fais et de venir te voir Soit sur les réseaux sociaux, sinon sur le site de la compagnie d'un jour. Et les réseaux sociaux aussi de la compagnie. On peut retrouver un peu toutes les actualités. Et on te retrouve en tapant Achille Jourdain sur Instagram, tout ça. Eh ben écoute, parfait. Merci beaucoup. De toute façon, je mettrai tout ça en description euh, de l'épisode bah, sur YouTube et sur les plateformes, comme pour chaque épisode. Et je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix, ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre. Et laissez-vous surprendre.